Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool Mike. Et aujourd'hui nous allons exploser le gorille. Enfin en tous les cas je suis déterminé pour l'exploser sur Dead Ops Arcade 2 sur Black Ops 3. Donc voilà, j'ai mis dans le pit, venez me soutenir. Mais si vous voulez me soutenir, sachez que la partie durera au moins 4 heures minimum quoi, parce que c'est long, c'est très très long d'aller jusqu'au gorille. Donc voilà, alors salut Kaneki, salut Jean-Baptiste, salut Levat, salut Shark, salut Dagon, salut Mad Max, ça va tranquille toi. Salut Dark Demon, salut Adel, ça fait longtemps des lives, ouais je sais, je live plus ces temps-ci. Je suis pas très actif ces temps-ci, c'est parce que je fais un burn-out tu vois sur YouTube, donc je me mets un peu YouTube de côté pour l'instant, y'a pas trop de jeux qui me bottent. Donc voilà. Merci Aaron, salut tout le monde, salut. Ça fait très longtemps, pas de live. Je te suis depuis Infinite Warfare, secret et tout. Ouais, c'est vrai que ça fait un bail hein, mec. Surtout si tu m'as plus depuis IW, j'avoue que ça fait un bail. J'en ai deux petites secondes. Alors n'hésitez pas à liker, à partager le live, donc moi c'est ce que je suis en train de faire, je vais partager sur mon petit Twitter. Moi je partage pas sur mon Facebook par contre. Voilà. Tu vois ça, ouais, je le fais en solo parce que je me débrouille vraiment bien. Et en fait, le problème, c'est que si j'invite des gens sur Dead Ops et que la personne elle meurt, et ben en fait, elle va manger ma vie. Donc si moi je fais une bonne game et tout, ben, la personne va peut-être pas suivre. Et en fait, je vais perdre des vies. À chaque fois qu'elle va mourir, moi je vais lui donner une vie, donc ça va pas être avantageux pour moi. L'objectif là, c'est de défoncer ce gorille en solo. Je l'ai défoncé une fois, il y a plein et plein de temps. Donc très souvent, j'arrive à aller jusqu'au gorille, puis je meurs au gorille. Mais je sais pas, aujourd'hui, je me sens chaud. Je sens que c'est la bonne. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais live, je suis motivé. Mais vendredi, on a le time demain. Je vais me lever. Je sais pas quelle heure. Justement, j'ai envoyé un message à mon frère. Savoir quelle heure je dois arriver chez lui. Je vais te faire en même temps. Parce qu'on va aller une soirée. Il m'a dit que je vienne plutôt que d'habitude parce que il y a le trajet, il faut faire quoi. Alors, frolo. Wesh Frollo, ça va ou quoi? Demain, je dois venir vers quelle heure? Je commence la partie dans quelques minutes, 5 petites minutes. J'aurais dû faire ça avant, mais c'est pas grave, je fais maintenant. Yo, Calimero, ça va ou quoi? Moi, ça va nickel, c'est cool. Ah, et bonne année tout le monde! Bonne année 2020! 2020, bonne année, mec. Bon, bientôt les 70K. Ouais, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, que cette année soit plein de réussite pour vous, plein d'argent pour ceux qui travaillent, plein de vacances pour ceux qui travaillent aussi, crochez-moi la vie de mec, profitez du système, suis la famille, ok, voilà la mentalité. Salut tout le monde, salut unité de vrai, salut à tous, j'ai mis un petit like, je suis au Mac, hein, McDo, quoi, je suis MDCO. Ok, peu plus loin, pas de problème, merci pour le petit like, poto. Alors on est combien? On est 14 sur le live, ça fait plaisir, merci à les 14 personnes qui sont là, vous êtes dans le cœur, c'est là. Allo. Bon, alors pour ceux qui savent pas, allez, hein, on va faire une petite transition, une petite idée, une petite seconde. Ah ouais, je comptais faire des petits tutos comme ça parce que je le connais vraiment bien en Dead Ops, c'est un jeu que je surkiffe, c'est un jeu que je joue plein à D. Mais voilà, y'a pas vraiment de tuto en français donc je me suis dit, je vais lancer une petite, des petits tutos comme ça sur Dead Ops, je sais pas si ça vous intéresse. Mais je me dis que ça y a rien que je fasse des petits tutos pour vous dire comment choisir par exemple le bonus que vous voulez, des petites astuces que je connais pour avoir des salles de bonus assez fréquemment, tu vois, tout ça. Voilà, je pensais me faire une petite série de tutos comme ça. Oh, on a compris, bonne chance. Ok, désolé Mad Max, t'inquiète la prochaine fois, tu seras. Bonne année à toi aussi, merci Charcos, salut Théo, j'aime les cailloux, tant mieux. À toi aussi, moi aussi, merci, bonne chance. Bah oui, je suis au McDonald's, ok, il me semble bien, il a pas trop bien compris. Bonne chance, merci, tu fais plus de glitch sur le jeu. Pour l'instant, en fait, moi je fais des glitches quand je propose des glitches sur ma chaîne que quand je les pratique. Quand je suis en train de jouer au jeu, bah, je sais qu'il y a des glitches qui peuvent vous intéresser, donc je le fais. Et là, je fais pas des glitches sur Fortnite parce que bah, je trouve que ça gâche un peu le multi. Et en campagne, bah, j'y joue. Donc attends, j'ai fait une transition, boum. Donc voilà, je joue plus à tout ça. Donc ceux qui veulent jouer à Dead Ops, et qui ont Black Ops, vous devez aller dans bonus, et puis Dead Ops Arcade 2. Je sais pas si vous le saviez, voilà, maintenant vous le savez. Alors, je vais fermer mon groupe. Je vais débrancher la manette. Je ferme le groupe, je mets un seul joueur pour pas être dérangé au cas où. Voilà. Et je vais lancer la partie, c'est parti. Alors au début, ça va être calme, hein. Ça va être très très calme. C'est vers le 6ème niveau que ça va devenir chaud, mec. Je suis encore du Fortnite. Ouais, je suis encore du Fortnite. Salut, Jerem. Sauve le monde, Go 3, Go 4. Enfin, sauve le monde, sur Fortnite, je parle. Je fais du Go 3, Go 4, j'en peux plus. Ils m'ont déçu. Y'a plus de zombies sur un W, enfin de nouveau là. Y'a pas de zombies, ça me saoule. Je vais lancer quand là, je lance là. Là, c'est lancé, la cinématique va défiler, puis c'est parti. Moi bon, je vais essayer de rush. Je vais pas lire tous les messages, hein, parce que quand je vais être concentré. Mais voilà. Je vais essayer de rush le plus possible. Salut Donovan, ça va quoi, poto? Demain j'achète le skin ninja sur Fortnite, mec, c'est trop. Insane, il est trop badass. Quand j'ai vu, je me suis dit, putain, tout le monde va l'acheter. Moi j'aurais des V-Bucks, j'aurais acheté, tu vois. Mais... Si j'achète, je peux pas acheter mon pass de combat, alors. C'est qu'un skin, même s'il est trop stylé, c'est qu'un skin. Ça m'intéresse pas de l'acheter. En plus, j'aurais bien voulu les pioches, enfin les sabres, les deux sabres, franchement. Deux skins avec les deux sabres, parfait. Ça va quoi, Donovan? C'est longtemps, hein. Salut Véro, ouais, je suis cool, comment ça va? C'est Max le vrai. Re bonne chance, merci poto. Avec le code sur cool mec YTB, merci dans la boutique, Mad Max, merci poto. Venez la bye. J'ai rien vu sur YouTube, j'avais pensé un truc avec ça, mais je peux pas le dire parce que ça sert à rien que je le dise pour l'instant. Mais je compte revenir là sur YouTube, un C4, tu vois. Là, je cherche du travail. J'ai mis à me faire ouvrir la main gauche aussi. Voilà, il y a plusieurs petits trucs que je dois faire avant de me relancer. Et après, on verra bien avec le taf si j'ai le temps. Si je vais trop fort par rapport à ma voix, dites-le dans le chat. Ouais, cherche parfois, ça va quoi, poto? Tranquillement, ça va. Tu l'as déjà fini ou pas le mode? Ouais, j'ai fini plusieurs fois avec des potes. Surtout un pote, mais on a prévu un live en février, je crois fin février, pendant les vacances parce qu'il a 15 ans, donc il est à l'école, donc il nous faut au moins 2 jours, tu vois. Et on va faire un live pendant 2 jours, mais on va faire sûrement une pause pour dormir genre 4-5 heures, et on mangera tout, mais on va essayer de battre un putain de record. Moi, sur le jeu, je suis 1084e, si je me souviens bien, meilleur joueur du monde, tu vois, à 2. Et lui, il est dans les 180. Donc lui, il est trop fort, lui, hein. Faut pas le test. Voilà, je me suis dit, vas-y, on va se lancer un petit débat à 2,
On va se lancer un petit live quand tu seras en vacances. Et on va essayer de faire un putain de record, quoi, tu vois, tu vois. Parce que je joue tellement bien. On est très très loin. J'avoue. On dirait que t'as rajeuni. Ah, c'est parce que je me suis coupé les cheveux, je me suis un peu rasé la barre ici à 3 mm. Mais je trouve que c'est trop court. La prochaine fois, je ferai 5 mm. Je trouve que ça l'éclaircit un peu trop. Donc voilà, je pense que je vais la faire à 5 mm. Donc ceux qui ont de la barbe, voilà, ils connaissent. Et les cheveux, ben, je me suis coupé les cheveux et la barbe il y a 2 jours, je crois. Parce que mon beau-frère a eu sa première fille. Je me suis dit, je vais pas y aller avec en mode baraki, tu vois, la grosse barbe et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais quand même couper les cheveux tout pour être présentable. Et je me suis donc coupé les cheveux. Mais c'est cool, c'est sympa de me dire que je rajeunis alors que les années passent. Les années passent, le destin s'en écarte. Je joue tout ça avec les mêmes cartes. Tu utilises quoi comme logiciel de stream à l'OBS? OBS, j'utilise, avec un PC. J'aurais eu 3000, je te l'aurais offert, mais j'ai commis 5, t'inquiète pas, t'aurais pas besoin. Peut-être que je retomberai un jour et j'aurai des débugs adéquats pour pouvoir me le payer. Non, mais vas-y, non, donne-moi ça. Voilà. Là, c'est tonneau. Depuis la merde. Ça prend toutes mes pièces, les tonneaux, wesh. Mais c'est trop galère à détruire quand elle dépose. Je te donne avant. Voilà, parfait. Ouais, c'est bon. Voilà mon petit gorille que je vais défoncer. Plus tard, bien sûr. Si je dois, le gorille, on le défonce à la manche 60. Je crois que c'était flèche de gauche. Ton PC, c'est un fait sur mesure, plutôt. J'ai payé 1000 balles. Et logiquement, c'est largement suffisant. Les pièces que j'ai mis sont largement suffisantes pour le. Enfin, largement, sont tout juste suffisants pour live en 1080p. Mais je l'ai acheté il y a 2 ans, ouais, je crois. Donc ça fait que là, je peux peut-être avoir pour 800, voire 700. Je l'ai acheté sur ldlc.com. Enfin, moi, c'était .be, mais pour vous, .com.fr, quoi. Au moins, ce qui est bien, quand tu fais un PC sur mesure, tu mets les pièces que tu veux. Et quand tu vas, parce que quand t'achètes un truc au magasin, t'achètes une tour au magasin, ils vont te mettre un lecteur CD. Déjà, moi, je dis pas, je n'ai jamais de CD dans mon PC, donc ça ne sert à rien. Ils vont te mettre un truc Bluetooth. Et toutes ces petites options-là qui rajoutent, ça augmente la valeur du PC. Au final, toi, tu les utilises pas, tu vois. Donc, après, si tu ne connais pas, ben, tu peux toujours demander à quelqu'un qui s'y connaît de te monter la tour. Pas de te monter le PC, quoi. C'est ce que je vous conseille, hein, si vous voulez vous lancer. Juste gauche. Félicitations à ton beau-frère, merci Archafa. En vrai. Et ça marque c'est frère. Ouais, ça donne du charisme, tu vois. Pure russe. Bon, Alexis, salut, cool. Mais DDoS, c'est comme le jeu de société Risk. Non. DDoS, c'est pas la même chose. Risk, c'est génial, c'est un jeu de stratégie. Un jeu de société en multi, ça. J'aime bien, j'ai passé des heures. Et sur celui de PS4, je sais pas, mais j'ai passé des heures sur celui de PS3. Le PS4, il m'intéresse pas trop. What? IW, ça a fait augmenter tes abonnés, ouais, carrément. IW, ça a été un peu ma période de buzz, entre guillemets, quoi, tu vois. Ça va bien aider. Je l'utilise, mais j'arrive pas à le configurer. Ouais, bah, gros, moi j'ai fait appel à des personnes qui s'y connaissaient pour m'aider parce que maman, je n'avais rien. Quand tu connais pas, c'est compliqué, donc si tu connais pas, essaie de demander à des personnes à t'aider, quoi. J'ai pas eu ma salle bonus sur cette map là. Yo, fonceur, tranquille toi. T'as fait le tournoi, Call of Duty? Non, j'ai pas fait le tournoi. Non, j'ai joué plus sur Call of Duty WW2. Oh putain, je me suis bouffé la vache. J'ai le seum. A chaque fois cette manche, je prends trop de risques. Il faut pas prendre de risques. Enfin, maintenant je peux pas tuer cette vache à cause de mes risques. Ça fout le seum, quoi. J'ai pas le temps, ma vache. Putain, y'en avait 2, j'ai loupé 3 vaches. Mettre les vaches, ça donne des bonus, ça donne 2 fois. Donc quand tu les loupes, allez, 4 vaches, j'ai loupé 3, seum. Je perds mes pièces, toi. Alors, autre chose, des joueurs parlent du DLC 5 sur Go4, mais je me dis que ça sera impossible. J'en ai aucune idée. C'est cool. Non! Putain, il m'a pris plus de laser, je ne veux pas. C'est pas grave. Alors, pour avoir les bonus, il faut prendre la direction. Merde, putain, fais chier. Faut prendre la direction de la première flèche que vous apercevez. Donc, quand vous finissez une manche, en fait, il y a plusieurs flèches qui apparaissent. Il faut prendre la première qui apparaît. Logiquement, t'as une salle bonus pour chaque niveau. Tu vois, là c'est en bas, c'est le bas. Donc, faut que je prenne la salle du bas, tu vois. Après, c'est possible que j'ai mal vu, c'est peut-être la flèche du haut ou la flèche de droite, c'est possible que tu te trompes, tu vois. Moi, ce que je faisais quand j'étais en live, ben, je mettais pause sur le live, tu vois, j'ai bien choisi là.
tu vois, c'est un bonus. Donc en fait, quand t'es en live, ce que tu fais, c'est que tu me poses un peu sur de. Il y a un peu de trucs, quoi. La bonne pièce. Pour changer d'arme aussi, il faut appuyer sur carré. Pour changer de vue, triangle. Par exemple, t'es dans un véhicule, t'es un appuyer sur triangle. Là, je vous avoue que je commence pas super super bien. Deux down, c'est pas bien parce que le début, c'est bien de ne pas mourir une seule fois. Pour monter dans les points super vite, pour gagner un maximum de vie, être à 9 vie le plus possible. Faut juste que je fasse un peu plus attention. Quand tu prends une perte comme ça, boum, tu passes en 4 fois en plus. Voilà, dans tous les points, j'étais en x4, là maintenant je suis monté en x8. Donc il faut garder le maximum cette vue là. Je veux pas la tuer, ça vache. Ah merde, j'ai pris un éclair, j'en avais 9. Et quand tu gagnes 200 000 points, tu gagnes une vie. Si t'as déjà 9 vies, ça te donne un bonus, genre un robot, un squelette, un apache, voilà quoi, enfin, plein de trucs. Donc c'est ça, le but, c'est d'être à 9 vies, en x9, comme ça les manches, tu les passes super facilement parce que t'as rien des bonus quoi. Et quand t'as pas de bonus, bah tu gagnes après. Et si tu meurs, t'as tout en x1, donc faut essayer de prendre ça. Et les vaches ici, elles sont très trompeuses, donc faut faire attention. Là par exemple, j'ai déjà eu ma salle bonus, donc même si je reprends la première, j'aurai pas le deuxième salle bonus, c'est une salle bonus par niveau, là je suis dans le niveau des vaches, on va dire. Donc je la prends quand même, mais ça changera rien quoi. Ça c'est bien ce défi, j'adore ce défi. Je joue pas à Fortnite en live, je suis pas très fort à Fortnite alors ça me saoule un peu de jouer parce que je me persuade tout le temps. Donc... C'est pas trop mon kiff quoi, tu vois. Mais je fais des événements en live, bon, j'ai la motivation aussi. Alors les joyeux c'est le plus important parce que ça fait augmenter tes fois le plus rapidement possible. Oh GG. Alors là j'ai 46 secondes pour faire encore 3 tours. À chaque fois que je vais tuer un zombie, j'ai gagné. J'ai gagné une seconde, c'est pas négligeable. Hein. Ah bon, de toute façon, j'ai regardé la course donc, ce qu'il me faut surtout, c'est les joyaux. C'est le plus important. Ici, franchement, tu prends ton boost comme ça tu fais pas les vagues. Ah, trop. Ah, j'en sais, j'en ai quand même deux. Ah, y'a moyen que j'aille les petits derniers là. Non, ah, ça, j'en ai deux. Yeah! Salut, ça va ça. Ok, merci, salut tout le monde, salut Res, salut. Rally, c'est insane, moi j'adore Rally. Salut, est-ce que. Tu comptes recréer un compte ou changer le mot de passe de l'ancien compte pour le glitch de duplication de compte? Non, je fais plus ça, je fais pas ça. Là, il m'a donné quelque chose, ouais, franchement ça va. Maintenant, chaque début de manche, j'aurai deux éclairs. Mais bon, moi je les utilise pas donc ça me pas vraiment. Merde, pourquoi j'ai fait triomphe? Ouais, quand vous passez en mode vue de première personne, vous êtes immunisé pendant 5 secondes et quand vous rappuyez sur triangle pour repasser en vue de troisième personne, vous êtes immunisé pendant 3 secondes. C'est des trucs qu'il faut pas négliger quand tu joues parce que. Ah, c'est facile. Oh. Je pense qu'il faut pas que je suis à n'importe la vache parce que ça viendra plus. Mais plus vache, je les ai tués. Hein. Par exemple, si vous voulez plus cher, t'as plus sur carré, voilà, c'est ça. Je veux bien ça, Marbou, merci. N'hésitez pas de liker les potos, partager pour le soutien. Regardez, là, je vais prendre la plaque. Je vais attendre que ça apparaisse un peu. Je prends les points après la plaque, parce que là, je vais passer en x7, je vais passer en x9. Boum, je prends la plaque, boum, je suis en x9. Alors, regardez, je tue les zombies en fonçant dessus, parce que je suis immunisé pendant 5 secondes et ça les tue. Voilà, les 5 secondes. Tu l'entends au son du jeu, les 5 secondes, ils sont passés. Parfait. Là, je fais blindé, points, blindé. Ce jeu il est vraiment sous-côté. Hein. C'est parce que les gens ils ont pas appris à apprécier le jeu, je pense. Mais putain, comment il est trop jeté. Moi je trouve qu'il est beaucoup plus intense qu'un zombie normal en fait. Ouf. Parce qu'en fait, un zombie normal, tu peux tourner pendant 10h, 20h, 30h, 40h, c'est toujours la même chose. Tu vois. Que là, sur ce jeu, les manches, les niveaux sont différents. À chaque manche, t'as des poteaux électriques comme ça, là, un peu couverts, qui se mettent en plein milieu de ta trajectoire. Les zombies viennent de partout, t'as des marois, t'as des chiens, t'as de tout, franchement. Moi je trouve qu'il est beaucoup plus intense, beaucoup plus agressif, beaucoup plus. Waouh, ça me donne un. Des sueurs froides, mon gars. Alors il y a certaines armes, comme celle-là, elle pue la merde, si tu l'as pas améliorée, elle pue la merde. Ok, c'est flèche de gauche. Alors le gorille, quand il apparaît, faut pas le tirer dessus, sinon là, il me croit après. C'est pas normal que t'as 21 viewers. Non, mais si, c'est normal, quoi. 21 viewers, 22 viewers, putain. Ça fait plaisir, les mecs, merci pour le soutien. Je pense que c'est cool. Y'a pas besoin d'être un million sur le live, hein. C'est pas un live extraordinaire, hein. Je fais que jouer à Black Ops. À Dead Ops, voilà quoi. Un extraordinaire quoi. 22 personnes qui me regardent, franchement, ça me satisfait, hein. Pas besoin de plus. Après, j'irai pas de moins plus, bien sûr. Mais c'est large, je m'en suis. Même si on serait 10, ça me dérangerait pas. C'est pour le plaisir, mon gars. Là, logiquement, si je fais pas de live, c'est ce que je fais. Je serais en train de jouer tout seul, comme ça. J'aurais mis de la musique, tu vois, genre PNL et tout, dans les oreilles. Ah, bien quoi. Bien. Je jouerai quand même, tous les vendredis, vas-y, je joue. La semaine, je fais rien, je joue pas, hein. Je suis sur Netflix. Je fais rien, voilà, je fais rien. Et le vendredi, bah, je vois un petit coup. Je joue à Dead Ops ou à FIFA. Ah, j'ai en mode FIFA, c'est comme si laisse tomber. On a du sale. FIFA 2017, hein, gros. FIFA 2017 ou en 2020. Je m'en fous, moi, je vais pas acheter 2020. À part que le 2020, c'est intéressant parce que t'as FIFA Speed dedans. Donc, on va dire que c'est pas mal, tu vois. Ça donne une envie un peu plus de l'acheter parce qu'à chaque fois, ils font des FIFA, ils changent rien du tout dans le jeu. Ça donne pas forcément envie de l'acheter, quoi. Là, je joue à FIFA 2017. J'ai joué deux fois dans ma vie. Je l'ai acheté en 2017, hein, 60 balles. La haine parce que j'ai joué genre 3 fois. Alors là, j'ai lancé parce que chez mes potes, on fait pas mal de FIFA ce temps-ci. Je voulais un peu m'entraîner. Et je suis passé de division
6 ou 7, je sais plus. Mais j'ai pas encore rétrogradé dans une division. Ok, je suis à 9 vies. 9 vies x 7, ça va du lourd. Juste à mourir. Parce que si je meurs, je me retrouve en x1, c'est chaud. Alors qu'on arrive dans la salle du dessin, je vais vous montrer un truc. Un truc que j'ai fait moi-même, trop stylé le mec. C'est pour ça que j'aimerais bien faire une petite série tuto. Parce que voilà, c'est des petites astuces. Je crois que c'est en bas. Hein. J'hésite, je pense que je vais mettre pause pour regarder. Non, je m'en fous. Je crois que c'est en bas, je vais l'envoyer. Tu vois, si tu tires pas sur le gorille, il attaque pas. Par contre, regarde lui. Elle va lui tirer dessus. Voilà, j'ai tiré dessus. Là, il me fonce dessus. Je vais jamais tirer dessus. Est-ce que c'est le bas? On a pas l'air. Après, c'est peut-être possible que c'est pas maintenant dans sa bonus. À 4 manches par niveau. Là, quand t'as envie de première personne, tu prends 3 baffes, et après tu meurs. Vu du haut, c'est 2 baffes. Là, c'est intéressant. Si je prends ça, ça. Ah, là, j'ai un bonus en plus. Parfait. Quand vous voyez une arme spéciale et que vous savez qu'il y a des crânes rouges sur la map, prenez l'arme spéciale, vous allez ramasser des crânes rouges pour améliorer votre arme pour qu'elle devienne un peu plus badass, quoi. Tiens. Genre dans les hautes manches, t'as un pistolet laser, gros. Tu tournes pendant 10 minutes jusqu'à temps qu'il y a un crâne qui tombe. C'est de tuer les zombies avec des poteaux électriques ou quoi. Mais tu lâches pas ton pistolet laser parce qu'un pistolet laser x3, au niveau max, bah, tu tires une balle, ça tue tout trop. Une balle. Même au niveau 100, au niveau 200, c'est one shot. La Gatling niveau 3, elle est vraiment de pas dire. Non mais sérieux quoi, de base, comment c'est... Non j'ai jamais vu cette survivre, arrête, jamais. Désolé, il était le vrai, y'a pas les rangs, je les ai désactivés. Je recommence les 3-0, Inch'Allah un jour. Je les réactiverai. Bon là je me concentre parce que c'est un niveau super difficile pour moi, je déteste ce niveau. Il faut que je me concentre. Je suis pas mort. Je suis pas mort. Souvent je meurs, hein. Souvent je meurs sur ce niveau. Ah, je suis pas mort, je suis fier de moi. Ah, sur ce niveau, genre la manche. Cette manche, oula. Sur cette manche là, souvent je meurs pas. Alors je perds tout et ça me fait chier, ça me fout. Là, j'ai la salle bonus tirée grand prix, magnifique. Quoi. Bonsoir, comment tu vas? Comment vas-tu? Salut, Louis, ça va tranquille et toi? Wesh, le Pharmax. Wesh, la Pharmax. Ah, la famille, ça va ou quoi? Tranquille et toi? Calme. Oseille, 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 mec. Merci de passer, franchement, ça fait plaisir. N'hésitez pas à liker. Hein. On a eu même pas besoin de vous le dire. Vous êtes là donc, pas besoin. Salut, c'est Dark Milan, des dubs arcade. Je sais pas si toi tu joues à cette vidéo des dubs, mais moi je kiffe, hein, je surkiffe. Hein. C'est tellement insane ce jeu. C'est, je trouve que c'est, ça donne encore plus de pression, tu vois. Je trouve que c'est plus difficile qu'un zombie normal. Ah ouais, c'est comme la vie, bien sûr. Non, ouf, je vais mourir. Le problème de la Gatling, c'est que ça vous ralentit. Donc pour taper les esquives, c'est plus cher. Donc c'est bien, mais c'est pas bien non plus. Là, je vais prendre la poule parce que quand je serai à la salle du destin, on y arrive bientôt. Après, je vous montre un petit truc que j'ai fait. On arrive à la salle du destin et je vais choisir la poule. La poule aux Edouard. Pour y arriver, ah, franchement, c'est parce que là, je vais pas faire une partie de 10 heures d'affilée, hein, sinon. Si je fais une partie en 10 heures d'affilée, je prends courir vite. Et ça, c'est mon mentor. J'ai un mentor, il m'a fois pris mon gars. Je connaissais déjà blindé, mais ils m'ont repris sa prise, c'était insane. Big up à toi, mon mentor. Je sais pas si t'es sur les lives, mais big up à toi. Je vais pas, mais ça sert à rien, j'ai ma bonus. Ça va très bien, plaisir de te revoir en live. Merci, Poto, ça fait plaisir. Moi, ouais, c'est un plaisir de te revoir, Bilobay. On s'est rencontré sur un. On a joué sur un. Fortnite. Trop risqué, trop risqué, en PP. Ça va nous faire des trucs à mes abos. Un vrai gars, Bilobay, un vrai gars. Ça sent cramé, ça sent cramé, ça sent cramé. Comment ça passe? Ouf, ouf, tu vas avoir, tu vas avoir 3. Voilà. Je veux ce pistolet laser. Tu vas avoir 3 touches là. Regardez-moi ça, une balle, regardez. T'as vu, t'as du tout. Après, il faut bien sûr qu'il soit un peu mieux paqué que ça. Ah merde, j'ai fait 3 tests. Il a amélioré 2 fois, c'est bien. Pas ouais, le laser 2 et le 1 et puis l'un dernier. Hein. Vraiment le 3. On va te faire. Ah oh, oui, non, j'ai déjà eu ça, bonus. On avance bien. Comment il s'appelle le jeu, s'il te plaît? Ça s'appelle DDoS. DDoS Arcade 2. Tu peux jouer sur Black Ops 3. Après, il y a le DDoS Arcade 1 sur Black Ops 1. On essaye de présenter un max pour donner le soutien. Merci, Big Boy. Les gens vont changer d'arme.
Alors là, il y a des petits bonus que je vais essayer de prendre quand même en bas. Voilà. Non, 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 mais nique ta sœur, nique ta sœur, ta grand-mère. Putain, je suis dégoûté. J'ai perdu mon fin 9. On dirait que c'est un niveau facile, mais il est traître. Ses squelettes sont super traîtres. Et fun shot en fait. Avec le rip en plus, ils font des attaques genre à 1 mètre, wesh, 1 mètre de distance. Putain, j'étais trop bien parti. J'avais plein des bonus qui tombaient. C'était le feu. De toute façon, c'est clair que je vais tomber. Hein. Faut pas croire, je suis obligé de tomber. Il y a des niveaux qui sont tellement chauds. Surtout les niveaux niveau chinois là avec les gorilles. Oh là là, trop chaud. Putain, j'aurais dû utiliser des bombes en plus. J'avais 9 bombes, j'aurais dû les utiliser 2 fois. Oh là là. Salut Nocif, ça fait plaisir de voir en live. Salut dessin, salut dessin, salut dessin. Merci Nocif, merci, ça fait plaisir de voir sur la live photo, c'est cool. Ouais, je me suis dit que j'allais lancer un petit détour en solo, voir un peu si je vais niquer le game ou pas, tu vois. Faut que je vous montre un truc, ça c'est important. Je l'avais créé, où est-ce que je l'avais mis? Je l'avais mis où? Putain, ça craint, je sais où je l'avais mis. Ah si, c'est mauvais, ça j'ai mis. En Photoshop. Oh là là, Nocif qui devient membre de la chaîne. Merci photo, ça fait super plaisir photo. Merci. Merci de soutien, gros. Bon après on a une petite conversation, c'est même je suis pas très actif. Y'a le petit chat. Y'a le petit chat avec ses petits yeux. Attends, je vous montre ça. Donc niveau source. Capture d'écran, capture d'écran, non, périphérique, non. Image, ah, ouais, image. Ouais, ok. Attendez, hashtag nocif dans le chat, le poteau. Hashtag nocif. Nocif 28 dans le chat. Bienvenue sur la chaîne Enzo. Ouais donc t'as vu ma petite émote nocif. Bon après il faudra que je fasse une mise à jour de tout ça mais. Quand je reviendrai un poteau, on va pas se presser, prends le temps. Prends ça au calme. Quand je serai prêt. Donc ça charge. A plus les mecs, à plus Salazar, il est mignon. Tu parles du chat des émotes. Pardon, ça fait plaisir. Nice, cool. Merci pour la chagnosif les poteaux. Alors regardez ce que j'ai fait. J'ai créé ça. En fait, dans les pierres. Bon encore ça c'est pas assez terminé, tu vois. Mais j'ai tracé en fait sur chaque pierre, t'as des petits angles comme ça et tout. Je les ai tracés avec un petit truc feutre rouge là comme ça. Sauf que j'ai mis le feutre en blanc, parce que rouge ça faisait trop agressif. Mais avec cette image je peux savoir exactement quelle pierre prendre. Par contre. C'était pas. Attends, je vais essayer de vous la montrer. Laquelle je parle, parce que c'est là, c'est pas celle que j'avais travaillé. Celle que j'avais travaillé, c'est celle-là. Ah, c'est celle-là. Oui, voilà, vous voyez. Donc là, courir, c'est un plus. On dirait un rond, un 4. Voilà, tu vois, vous avez capté le bail. Pour ça, je pense que je vais faire une petite vidéo, tu vois, parce que bah, voilà, j'ai pris le temps à le faire. Franchement, ça a pris plein de temps pour le faire. Et je pense que ça peut être super utile pour ceux qui aiment bien les dops. Donc là, je l'affiche à côté de moi. Et il faut pas que je me loupe de pierre. Allez, j'étais de vrai. Merci, Nocif. Ta miniature est cool. Ah, t'as vu, j'ai retenu, tu m'as dit, ouais, je suis toujours. Non. Et je me suis dit, tu m'as dit, je me mettais et tout. Et là, je me suis dit, allez, vas-y, c'est quoi, j'ai fait une petite miniature stylée. Elle m'a pris une demi-heure. Parce que j'étais en train de me filmer, j'étais là, je dois regarder comme ça, que j'ai une bonne expression de tête et tout, tu vois, c'est quand même galère, toi. Mais je me suis dit, c'est grâce à toi, ça aussi, tu m'as motivé un peu, tiens. Ça fait beaucoup, non. Donc voilà, merci, gros, c'est grâce à toi, la petite miniature. Alors, 2 secondes, faut que je me concentre, ok, c'est parti. Ouais, faut pas que je me trompe de pire. Hein. Je suis encore assez du temps là-dessus. Moi, je sais que c'est celle-là, hein, je suis pas sûr. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là, moi je dis c'est celle-là. Merde, c'est pas courir plus vite que je veux, c'est la poule. Tant pis, j'ai du temps, faut que je fasse gaffe. Ah, c'était celle-là, non, c'est pas celle-là. Oh là 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 là, je stresse, je suis en panique. Ouais, je vais pas courir vite, tant pis. Putain, c'est pas courir vite. Voilà, j'ai trop stressé. J'ai le pire bonus de toutes les nations du dessin. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est propre, merci gros. Bon, bah, mec, je vais recommencer à partir parce que c'est pas possible. J'arrive jamais à niquer le gorille comme ça. Impossible. Le joyeux, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Quand tu veux pour Dota. Ah ouais, ah, mais c'est Sitam. C'est Sitam, c'est comme ça. Ouais, gros, Dota, t'as vu. Je me suis trompé, Sitam. En fait, c'est mon mentor. Gros, je suis dégoûté, tu vois, je voulais la poule, et puis je regarde pour courir vite. Et je sais pas, je sais pas combien de temps il y a pour choisir, tu vois. Attendez, je fais un petit peu. Je vais réussir, t'inquiète, je vais réussir. Bon, on va rusher. Là, on a perdu 48 minutes, les chiens. C'est pas grave, je vais être encore plus chaud. Je vais faire encore meilleur départ. Ouais, j'étais là, non, devant mon écran, mais là, tu m'étonnes. Je te jure, j'étais sûr que c'était en bas à droite pour courir vite, mais j'ai pas encore l'habitude, hein. En fait, c'est Sitam qui m'a appris à reconnaître les pierres et tout ça. Courage, merci Nocif. T'es pas en live, Nocif? Tu veux pas faire un live aujourd'hui? N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Nocif 28 les potos, c'est un super bon youtubeur, franchement un animateur. C'est pas un youtubeur, c'est un animateur ce type. Il anime trop bien ses streams. Allez, c'est parti. Fini, c'était le zombie quiz ce soir. Ah, ok. Et c'est qui a gagné? Attends, j'ai vu ton concept du voleur. Non, que le type qui devait dire quand tu l'appelles, ils disent le voleur, je sais pas quoi, et il rafle tous les cadeaux. C'est ce qui s'est passé ou pas? Ah, ouais, Nocif 28. Full cadeau les mecs, hein. Si vous allez sur la chaîne de Nocif, il en va full cadeau. Hein. Donc si vous êtes intéressé pour tenter votre chance et gagner des petits cadeaux, n'hésitez pas. Ah, c'est la semaine prochaine, ok. Vendredi prochain, je suppose. Hein. Et franchement, trop bon concept. Comme ça donne, envie au chat d'être présent et de tenter de tout rafler, quoi. C'est super une bonne idée.
Les généreux mon petit nocif. Ah, je sais pas. Ok, ok, nice. Si Tam, cette game elle est pour toi, mon pote. C'est le but. Bah ouais, c'est ça. Je m'en détecte, c'est le but. Direct, j'ai capté. Je me suis dit, ouais, c'est trop bien pensé. Putain, quand j'arrive à la salle du destin, faut pas que je foire. Hein. C'est le truc le plus décisif. La première map. Y'a pas de sa bonus. Ah, d'accord, ok. Ah, Master Kill, Master Kill. Ah, je me souviens, il fallait offrir 500 balles, Master Kill. J'avais fait deux fois, je crois que la première fois c'était 250. Et la première, elle a. La première 250, puis la deuxième 500 balles. Bim, cash. Merci, c'est un pour la. Pour l'information. De rien, et... Non, ils ont réussi à me prendre des trucs. Oh l'enfoiré. Oh l'enfoiré. Ça vient de partout. Ah merde, encore là. Si dame, j'en ai pour combien de temps pour aller au bois au gorille? Si je rush, si je m'arrête pas. J'en ai pour minimum 4 heures, non? Merde, pour toi, j'ai pris de. Munition max, c'est que j'aurais pas dû. En fait, ça va. Normalement, je me serais très très grave, mais. Ah bah c'est bon. Donc ça, j'aurais fait. Vas-y, là. Ce qui m'énerve. C'est que j'ai plus la motivation de refaire des autres manches. Bah ouais, tu m'étonnes, gros. C'est ça, quand t'arrives trop haut, t'es plus motivé, tu vois. Après, tu peux le faire sur des Dops 1 parce que des Dops 1 t'as pas encore saigné à mort. Moi, j'ai pas encore fait d'autres manches, mais quand j'arrive à faire d'autres manches, je crois que le jeu, j'y toucherai même plus, quoi, c'est ce que je veux dire. J'ai tellement saoulé. Mais ouais, c'est bon, un point de 24 heures pour faire d'autres manches. C'est ça, quand tu montes trop dans un jeu, après, t'as plus la motivation. C'est pour ça qu'ils devraient mettre un truc comme on en avait parlé l'autre jour, des paliers. Genre, tu peux directement aller battre le gorille, quoi, tu vois. Bon, aller à la manche 40, aller à la manche 60. Même sauvegarder, serait cool aussi. En bas, j'appuie sur le truc juste au moment pour voir la flèche. En solo, avec le poulet ou le gun, tu peux mettre 2h30. C'est pas bien long avec les pieds. Avec les pieds. Ah, mais de toute façon, je prends le poulet, hein. Je prends le poulet. En 2h30, je peux faire le gorille. Ok, c'est bon, là. On va essayer de le faire en 2h30. Alors. Je veux dire qu'en 24h, on peut faire le gorille, ça c'est bon. Non. Oh, ça c'est le problème avec le bazooka, c'est le rampant. J'ai pas eu le bonus, c'est moche. Ouais, j'ai pas vraiment de choix, hein. Ça va quoi. Au calme, merci quoi. Bonne année à tous ceux qui sont sur la live, je l'ai pas encore dit. D'Obsarcade 1, je trouve que c'est simple, enfin plus simple que d'Obsarcade 2. Ici, je vais faire des trucs de manche, c'est pareil, il me faut du temps et j'ai pas ma motivation. Dommage, parce que comme d'Obsarcade 1, t'as pas fait d'autres manches, je me suis dit que ça te motiverait quand même d'essayer de faire encore quoi. Bon, bah t'as plus qu'à attendre d'Obsarcade 3, gros. Fin 2020. En attendant, ben. Regarde Netflix, regarde Messi. La série est pas mal. Après un peu déçu de la fin, enfin, j'attends la saison 2. Quoi. C'est rien gros, ça t'excuse de ton pour tes études. Tu vois ? C'est bien pensé ça. Oui, je vais te tuer. Voilà, je vais te tuer aussi. Voilà. Deux vaches, les deux vaches bonus en plus, c'est les deux seuls qui sont apparus. Ah merde, là j'ai tué une vache pour rien, deux vaches pour rien, trois vaches pour rien, allez, je tue toutes les vaches. Allez, c'est la fête. On fout, je vais les fois aussi. Là y'en a encore un, hop. Je crois que quand tu tues les vaches, elle apparaissait pas, mais apparemment elle apparaissait pas, donc c'est cool. Oh merde, j'ai pas eu la flèche, je crois que c'est droite. Ah, on va voir. Une chance sur deux. Ça représente quoi le badge à côté du pseudo de sponsor? Le badge? Le badge SM, ça veut dire que t'es sponsorisé? Toi, t'as le SM en blanc, parce que t'es premier sponsor, enfin, c'est la première fois que tu t'abonnes. Après, je crois qu'il y a SM avec un 1 derrière, puis un 2, puis un 3, puis un 4, puis un 6, enfin, etc.
Ça va, bonne année à toi aussi, Thomas, c'est Valentin. Et puis les graphismes sur PS3, c'est plutôt ça, une fois. On s'habitue à la PS4, j'avoue. J'arriverai pas à lire. Allez. Ah, t'arrives pas. Ah oui, il est marqué SCA. Et en dessous, je sais même pas dire ce qu'il est marqué. Je sais même pas dire. Ouais, c'est trop petit, hein. J'avais pas trop quoi mettre, donc on peut y arriver. Ah, c'est bon, j'ai choisi la bonne flèche. Franchement, j'ai cherché, qu'est-ce que j'aurais pu mettre. Je me suis dit, je vais peut-être mettre ma tête ou quoi. Pour ça, le prochain, c'est un 1 ou un 2. Je crois que c'est un 1 en grand, et puis avec un SM en plus petit, mais on le voit pas vraiment, les SM. On voit plus le 1 et le 2 et tout ça, quoi. Si je me souviens bien. Bonne idée. Merci pour toi. Merci pour toi. Et quoi, les vaches, ils apparaissent plus, quoi? Ah, voilà. Je crois que j'aurais plus de vaches dorées, ainsi. Non. Gauche. Ah, pourquoi je tire pas? Parce que je garde. Non. C'est bon, c'est trop. C'est pas assez rapide. En fait, quand t'approches trop du gorille, quoi, après. Mais je tire pas parce que je voulais attendre qu'il y ait une vache dorée, poteau. Ouais, c'est ça, ouais. Mentor, quelle question tu me poses là, donc? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça? Mais tu vois, je prends un risque à chaque fois. La partie juste avant, je suis mort à cause de ça, toi. C'est un risque hein, parce que je suis en facette donc ça sert à rien, mais bon, tu vois, les trucs, ils pourront hein. Rien y faire, hein. Moi je joue plus. Hein. Je crois que ça devrait être. Hein. Mais je crois que j'ai des mains, ça bonus en plus. Hein. Je sais pas. Ouais, j'ai cru que c'était le 1. Non, c'est le 3. Les autres, ça va être 4-2. Ah, au pire, juste après, tu as les voitures qui peuvent se mettre. Des fois en plus, ouais, exact. J'étais en x7, on va voir si je peux remonter en x9. Regarde comment je gère, c'est pas. Ah, la course, ma bon, c'est bien, je te nique à chaque fois donc. Voilà, pas le choix. Toi, je garde mon boost pour les joyaux donc. Mon but, je l'utilise pas pour ça. Toi, tu joues en première personne si je me souviens bien. J'étais un peu trop vers la gauche, mais ça, j'en ai quand même pas mal. Là, logiquement, il y a un zombie, parfait. J'ai mal un peu géré mon saut, mais c'est pas grave. Ouh, oh putain, j'ai pris le bleu! Le seum. Yeah! Oh là 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 là! Faut juste que je les chope à la fin. En plus, j'ai pas de boost. Faut absolument que j'ai un boost. En fait, ça me va rien. Ah, ça va. On va voir combien. Je passe à un niveau. On voit combien. 5 ou 6 secondes de munitions limitées, donc je peux tirer jusqu'à temps. L'élimination max disparaît dessus de la tête de ton joueur. Ok, ça marche. 5-6 secondes. C'est de ma faute. Je suis en x8. C'est bon, ça perd, ouais, c'est cool. Je préfère qu'il donne une fois. Cinq ou six secondes. Donc là, logiquement, ça devrait finir. On va sur une grosse tête là. Ah merde, je reviens de faire pour le gating. Non, c'est pas grave. Je suis flambé sans faire des points. J'ai peur des vaches. Ok, c'est bon, on l'a pas vu. Parfait. Ouh! J'adore ce jeu. La gating, j'aime bien, mais elle te ralentit. Hein. Je crois que je la prendrai pas quand je suis en foire, c'est trop risqué. Belle course, GG, merci Nocif. Ouais, je pense que ça fait plaisir de te voir sur des zombies, ça faisait longtemps. Salut Jaspad, j'avoue, ça fait combien de temps j'ai fait ça? Bah, moi j'y vais en offline, tu vois. Je joue à des dubs en offline. Mais sinon, en lag, ça fait extrêmement longtemps. Depuis fin Black Ops 3, hein. Black Ops 4. Hein. Ouh! Oh putain! Il est sorti de terre, j'avais pas vu! Il a rien touché. On va peut-être aller prendre. En fait, quand t'en fais 1x8 comme ça, tu stresses tellement de pas tomber inutilement parce que si tu tombes, paf. Tu retombes en fois 1, laisse tomber. C'est comme si tu ratais ta game, quoi. Tu peux voir là où il y a la barre de ton arme en dessous de ton multiplicateur quand tu prends un munition max, la barre ne descend pas. Ouais, exact, avec les deux têtes, juste ouais, les munitions ne diminuent pas, exact. Là, il y avait trop de Fortnite et partie de zombies, après, c'est mon avis. Après, si tu vois du zombie full zombie, tu vois sur la chaîne de Nocif, franchement, c'est un bon et on voit du lourd et il fait que du zombie. Ah, ça fait plaisir. Je sais pas, c'est vrai que l'instant, Fortnite. Quoique, il baisse un peu un Fortnite dans. Déjà dans le revenu. Par rapport à l'année passée, ils ont perdu 25% de revenus.
Bon, après, ils restent quand même combien? Ils font quand même 2 milliards. ils ont baissé, ils sont plus dans le classement. Mais ils ont baissé de 25%, t'imagines? Ils ont perdu genre des millions. Non, des millions. Comparé à l'année passée. Et bah, sûrement, parce que les gens commencent un peu à se saouler. Hein. Pas spécialement saouler, mais. Bah, voilà, ils diversifient un peu sur les autres jeux parce que c'est bien de jouer tout le temps le même jeu, mais après, bah, t'as envie de tester d'autres jeux, les nouveautés elles sortent. T'as envie de changer, un peu de changement quoi. C'est les trucs avec ça, ils veulent changer, ils veulent changer. C'est pour ça que les gens, ils placent leur femme après 10 ans, ou après 5 ans, ils font pas femme, ils veulent du changement. Mais c'est pas mal, c'est rien. J'ai avec ma femme, j'ai avec ma femme, c'est la fin de ma vie. De toute façon, on l'a pas plus dire d'ailleurs. C'est ce qu'on dit toujours. Merde, putain, j'ai changé de prendre de race. On fait JO, je crois. On va. Et nous, ça fait longtemps, ça va toi, sniper. PGM, nickel. Ok. Ma petite Fortnite, ça va se finir. C'est quand même 2 ans. Que Fortnite... Ouais, mais après, ils vont revenir en force avec Fortnite sur PS5. Ils vont revenir en force avec une nouvelle saison et tout. T'inquiète, ils vont pas mourir, ça c'est clair et net. Quoi. Mais ouais, effectivement, c'est 2 ans donc les gens. Ils veulent peut-être passer à autre chose. Quoi. Après, ça reste gratuit donc quand il y a une nouvelle saison, bah, tout le monde va pas, tout le monde y retourne. Putain, il a avalé mon éclair avec son tonneau. Les bonus s'affusent. J'aime pas le lance-grenade. Ah, tu me donnes envie de jouer, tu m'étonnes. T'as vu, je suis mon 0 fois quoi, parce que t'es là. Ça me donne un peu de sens. 0 fois, fois 9. Ah non, je suis en progrès, ouais. Mais je suis bientôt en fin 9 là. On peut faire quelques petits points. Allez, hop, ouais, bah là, je vais passer en fin 9, c'est sûr. Mais attends, je vais pas me rendre en première position, maintenant que j'ai en fin 9 aussi. Je ramasse à cette pièce. Je suis en train de box en première personne. Qu'est-ce qu'il y a? Ouh, on doit pas trop loin. X9, ça monte plus. Ah si, elle monte encore là-bas. Donc ça veut dire que tu peux être en X9,99. Enfin, 99. Si je comprends bien. Parce que je suis en X9, là-bas elle monte quand même. Donc, je me suis relancé une game après mon 55. Les deux circles 1. Et quoi, il s'est passé quoi après? Bon, j'y vais. Je vais y aller, poto. J'ai du taf. A plus, donc merci, Gersquad. Bonne soirée à toi. Merci de passer, gros big up. Ciao. Salut, poto. Comment tu vas? Et bonjour à tous. Ça, salut, Scratic. Et ça va tranquille, pas. Bon, là, faut que je me concentre parce que c'est une marque que j'ai vraiment du mal. Ouf. Franchement, je galère sur ce point. Oh là 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 là. Faut sortir, je meurs. Elle est trop dure cette main. Enfin, cette manche. Ouais, je suis mort donc tant pis hein, si je remets ça là. Mais... Oh là 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 là. Tellement déçu quoi, tellement déçu. En plus, la partie juste avant, j'avais réussi à la passer sans mourir. Ah, j'ai pas réussi. Je partais trop dans les coins, je me fermais trop facilement. Ouais, non, ça reste en x9 même si tu refais. Ouais, mais comme la barre sera complète, ce sera 9,99 non. Je me suis pas relancé une game. Ah, tu t'es pas relancé. Ah, excuse-moi, j'ai une manche. Ouais, donc depuis dimanche alors. Je me souviens bien. Tu colles très gros, ouais, je me suis trop collé dans le coin. Ça me fait trop stresser, tu vois. Quand tu stresses, c'est mauvais, tu vois. C'est trop mauvais. Déconcentre. Décontracte-toi, voilà. Décontracte-toi, sois cool, KLM, tout se passe bien, reste cool, tout va bien. Oh, pistolet laser. Il y a plus de. Pas plus de crâne. On se plonge là-dessus. Gage, ah non, mais juste le laser, il va falloir penser, bon, c'est mort. Oh, pourquoi il s'énerve lui?
Genre, je l'ai touché. La fumée, pas mal. Le Thug Life, le t-shirt, le Thug Life. Thug Life. Si, c'est la famille. Non, c'est pas toi. Ah, mais les boules électriques qui te tournent autour. Certainement rien, sûr. Combien de fois je suis mort avec ça? Ah, avec les boules qui tournent autour électriques, ça protège pas. Ça fa, ça farde. Bon, je veux dire, tourne en x5, c'est pas mal. Je vais arriver à la salle du destin bientôt. Faut juste surtout pas que je me faille à ce moment-là, parce que voilà, j'ai bloqué mon cher sur un cadavre. Yo Didi! Salut, petit coucou à Delbor, Bagdon, Bogdanovic. Tu vas en arrière, dès que tu spawns dans la map, permet des défis, tu peux choper les gants. Ouais, je sais, mais en fait, quand je fais ça, je te jure qu'à chaque fois, je me fais toucher par un zombie, par un squelette, parce qu'il se réunissent par plus gros tas. Tu vois, et je sais pas, le spawn, dès que je fonce, le spawn est plus facile. Enfin, j'arrive plus, j'ai plus l'habitude parce que j'ai jamais connu. Enfin, c'est, j'ai connu grâce à toi, je crois, des trucs en arrière, où j'ai connu par un pote, mais voilà, c'est trop compliqué. Après, ça change mon tour. Ah, ça va être chaud. Hein. Vérifie avec moi, s'il te plaît, si t'as. C'est ma petite dame. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Ça peut être celle-là, je crois. Je crois que c'est celle-là. Hein. Ça peut être celle-là. Moi j'ai celle-là en bas gauche, hein. Pour moi c'est en bas gauche, quoi. Regarde, fais un repull-up sur le live. Mais je pense en bas gauche pour la poule, hein. Je parle pour la poule. Putain, c'est trop chaud ce truc-là. Tu te trompes de pied, gros, ça te fait foutre les 30 minutes de partie, là, direct. Waouh. Attendez, je suis complètement calme. Je prends un peu mes. C'est passion. Ça fout trop d'énergie, ce jeu. Je vois pas la pierre en haut, à droite. Y'a ta toute. Ah vas-y, attends, je te la montre. En bas à droite. Je la laisse 3 secondes. 1, 2, 3. Voilà, je me pose. Yo, Alvan, ça va quoi? Alors. D'abord, je comprends pas ce que tu dis, tu parles pas français. Tu sais, je te connais grâce à tes vidéos, tu as fini par faire en space là. Y'a personne qui me connaît. Oui, en bas à gauche. Ouais, c'est une chose, gros. En bas à droite, c'est pour gagner. Ok, merci, gros. Ça fait du bien de te voir en live. Merci, Scrap, les gars. Ouais, je savais, c'était en bas à gauche, je savais. Mais c'est chaud, gros, c'est chaud. Faut reconnaître la forme de la pierre, les mecs. Faut reconnaître la forme de la pierre, c'est insane. C'est trop difficile. Merci, Sitam. Attends. Là, la partie, elle commence vraiment parce que. Là, je me nique le gorille. Allez, on va. En bas à gauche, les pieds. Ouais, je sais pas. Moi, je me suis concentré sur les pierres de la poule. Je me suis dit, ouais, c'est pas la poule, c'est cool. Je me sers un petit verre. Ah non, je joue plus un film pour faire. Bon, c'est parti. Avec cette poule, je peux niquer Boris, c'est sûr. Ok, on passe au prochain niveau.
À la tienne santé, merci, c'est l'écurie. Ouais, je crois, je te suis depuis trash dead. Ah, ça fait un bail, hein. Tu vois du whisky? Non, je bois un petit peu de vodka avec plein de Red Bull parce qu'aujourd'hui je bois pas beaucoup, sinon je vais trop avoir mal au ventre, pour demain. Du jus de pomme. Exactement, c'est ça. La bouteille en verre bizarre. Du jus de pomme fermenté. Très fermenté, ouais. Tu refaire des lives avec Call of Duty? Vas-tu faire des lives Call of Duty mobile? Il est trop bien ce jeu et il est un logiciel nommé Gamelot. En fait, bah, en Belgique, il est pas disponible apparemment, donc je peux pas télécharger son téléphone. Mais avec le logiciel que tu viens de me donner, c'est possible, mais après, il me prend pas trop. Je sais pas, peut-être, je sais pas. Dis-toi que j'ai une nouvelle intro, tu pourrais pas aller voir, reste épais, et me dire quoi. Alors, j'irai voir après, j'ouvre ta chaîne YouTube. Hop, voilà. J'irai voir après mon live, je te laisse un petit commentaire. C'est de l'alcool, je suis pas fou. Dans cette map, évite à tout prix de passer devant les entrées de zombies, parce qu'à chaque fois, il n'y a pas le temps de les voir. Ok, ça marche. Merci, Sifan. Salut, Titro. Alors, voilà, ça peut me servir en fait. Hein. Ah, faut vraiment que je me concentre parce que la map est vraiment toute petite, la mec. Merde. Merci le fracasseur. Merci, merci, je me suis concentré de ouf, mais je viens de me concentrer parce que c'est trop chouette. C'est le bordel, c'est le darwa. Non, mon cerveau, ça l'a pas gagné. Ça me fait chier, ça me fait trop grand, c'est bien. Si je me débrouille pas mal, c'est grâce à Sifan qui est dans le chat. On se prend encore. À gauche. Ding ding ding. Fight. Next round. Trois baffes en première personne, c'est moi. Donc à la deuxième, vous appuyez sur triangle, vous quittez la vie directe, obligé. Pas de time, pas de risque. Oh là là, zéro down, parfait. Parfait. Zéro down, excellent. Ouais, j'habite en Belgique, d'aller boire. Sans pareil, t'inquiète, je bois vraiment léger. Tu me donnes envie de boire un petit jet 27, ça fait pas de mal. Voilà, ça fait pas de mal, un petit verre, ça va. Moi j'ai tendance à un peu trop exagérer quand je commence, mais là j'ai qu'un fond de bouteille comme ça. Tu te rappelles de moi, Killer. Ah, Killer, c'est une petite chose. Tu te débrouilles pas mal, merci, t'es trop chaud, merci, RPG. Ouais, je suis là, cool. C'est le proto, salut, avoir des gamers sur Twitch. Ouais, cette concentration, t'as vu ça, c'est un peu tombé. C'est un peu demain, ça me dit quelque chose, pote. C'est l'alcool, la concentration, j'avoue. Demain, il va sortir un tuto. Comment tuer le gorille? Bah, faut pas pour être concentré. C'est pour ça, en fait, tu flottes pour pas te prendre un strike par YouTube parce que tu vois. Je flotte? Non, je flotte pas. Hein. De toute façon, je pense qu'on peut voir, c'est légal dans le monde entier l'alcool. Donc, je vous incite pas. Ouais, si vous buvez, buvez avec modération, les mecs. Mais... Voilà, de toute façon, je voulais justement. Faut faire attention. Regardez là-bas, il y a un raps, là-bas, il y a une poule.
Bah, franchement, la poule, j'ai envie de savoir. Et le raps, bah, je vais le prendre. Après. Ouais, vous l'aurez compris, pour prendre le squelette, faut juste le raps, faut juste un éclair. Non, non! Ah, j'ai perdu mon facette. Ils sont chauds, hein, ils sont rouges là, la map est rouge. Ah, il m'a foutu une barre, non? Voilà, ils sont trop rapides. Ah, ça va, c'est rien, ça. Je me... Là, je vais mourir 10 fois, je m'en bats les couilles. J'ai perdu 9 fois, donc... De toute façon, là, je vais avoir un bonus, non? Un petit jeu à faire, logiquement. Ah, je sais plus, c'est quand? Là, j'ai pas vu, je crois que c'est en haut. Putain. Après, je sais pas trop. Si, car il y a des mineurs qui regardent, après, je sais pas trop, à confirmer, bah, carrément. Bon, l'alcool, là, j'en ai trop bu, il y a moyen. À un moment. Attends, il y a un moyen, toujours bourré. Non, mais c'est... Ah, mais ça... Genre tu vois les... What the fuck, hein. Genre le rap c'est... Pas compris, hein. Genre les têtes, les gars, d'accord. Parce que... Voilà, quoi. Putain. Putain. Les raps, franchement, ils sont trop chauds. Bon, après, j'ai une poule, donc logiquement, ça devrait aller. Ah, j'ai pas vu la flèche, je pense à droite. Hein. Pfff, la bière. L'alcool te rend concentré. De toute façon, on joue à ça, faut être concentré, même si tu vois pas, tu dois être concentré. Le rap, quand ils sont tirés. Ah, bah voilà, faut que je chasse, c'était ce moment-là. Avec le petit niveau. C'est ma phrase, vraiment. Ouais, mais ça revient, ouais. Envoie une bombe pour les zombies rouges. Moi, c'est vrai. En plus, j'en ai 9, hein. Avec les envois quand je suis normal. Les raps, quand ils sont tirés par des trous noirs, ils ont plus de portée quand ils explosent, je pense. À chaque fois, je me fais niquer alors que je suis super loin. En fait, moi je me dirige vers le boss à gauche, toi, pour les niquer tous, comme ça vient tous de droite, comme tu m'as appris. Je prends le trou noir, il y a un raps juste là derrière le trou noir, donc sur ma trajectoire, donc je passe vraiment à côté de lui, et puis je vois le raps, mais pfiou, s'envoler vers la direction où je vais aller, et boum, il me tue, tu vois. Alors qu'il m'a même pas frôlé, quoi, tu vois. Donc à mon avis, il a explosé, l'explosion a fait, comme tu dis, une plus grosse envergure, tu vois. Et ça m'a tué, tu vois. Ouais, il faut que je mette plein de fois, plein d'œufs, comme ça j'ai plein de fois. Ça commence mal. Allez, je passe en dessous. Allez! Pourquoi il a pas compté l'heure que j'ai envoyé là? Pourquoi je... Ah ouais. Je suis en facette, les mecs, facette! Putain, facette, ça marche bien remonter là. En réalité, je tremble. Je tremble parce que je suis la partie de ma vie. Oh, y'a un char. Oh, y'a un putain de char. C'est bon.
Je monte à 9 vies. À gauche. T'as vu ça, je suis sûr qu'il va me tuer. Hein. Je sais pas pourquoi, je sais pas quoi ça sert, mais je suis sûr qu'il peut me tuer. Il me contrerait pas comme ça s'il pouvait me tuer ces enfoirés. Normalement, il devrait travailler, je comprends pas. Coucou les loulous, salut les grands. Je me suis accroché. Je me suis jamais accroché à ce mode de jeu. Bah ouais, je sais, le jeu il est sous-côté. Un des meilleurs modes pourtant. Un des meilleurs modes, exactement. Encore plus stressant qu'un mode zombie normal. Viens avec toi. Au calme, merci Minus. C'est sorti. Ça fait blindé. Attends, ça fait blindé. J'avais plus entendu ta voix MDR la dernière fois. C'était le tuto de la nuit de mort. Ça fait longtemps. Elle va dire de Twitch. Bah, ça fait plaisir. Tchao, un live, tu viens, t'es cool, c'est plaisant. Mais voilà, j'ai pas la pression. J'ai vu ce gant de boxe. Voilà, il est venu par derrière, sans fond, il a failli me tuer. Oh, j'ai fait cette carte. Putain, c'est mon jeu de boxe. Non, les rats, ils vont me tuer. Et où la tête de moi? On avait une, elle a disparu. One shot comme ça, one shot, putain de raps de merde. Franchement le raps, c'est ce qu'il y a de pire. Ça fait one shot et je l'ai même pas vu gros. Putain j'aurais pas dû prendre la première personne. Genre qu'on va 1x3 quoi, sérieux. Je viens d'avoir 1x7. Prendre deux pièces quelque part. Non. Pas de pub s'il te plaît, un K2B. Un retenu un message pour la réunion suivante identifiée qui est autorisée. Par contre j'ai entendu dire que tu es belge, tu... Les deux moutons de neige. Non, je suis de marche quand même. Et ouais, je suis belge. Finir les deux dans sa fête, c'est chaud, mais gros crevis. Et déjà, il est belge. Oui, il était parti, ouais. D'ailleurs, j'ai eu une mise à jour de PO3 il y a 2-3 jours. Je faisais 1,5 giga. Quelque chose, comment ça se fait, je sais pas. Ce qu'elle a ajouté maintenant que je sais pas dire. Les raps a envoyé une bombe. Les raps, c'est. Mais ouais, mais je l'ai même pas vu, mais c'est chaud. Ouais. Bon, vas-y, je suis juste de passage à plus. Tu suis gorille, merci à Minas, je suis déterminé. On avait dit l'accent liégeois. Moi, je suis de Liège. Ouais, c'est possible, j'ai un peu un exemple, c'est normal. Je prends la première personne quand en début de manche. On va pas. Ouais, mais ça donne 1x9, tu vois. Tu vois la chance à 3. Là ça me donne 1x7 tu vois, c'est ça qui est intéressant en fait. Je suis ralenti. Merde, ça a changé mon compte. Non, il y a le bruit qui arrive maintenant, il est sérieux lui. Il va tout me voler sans forêt. J'ai même passé où la flèche. Bon, allez, prendre de haut. Pour les hautes manches, la première personne est trop bien. Car déjà, il y a le fond 9 et en plus, tu as le droit à 3 plaques avant de mourir alors que normal c'est une plaque. C'est sûr, c'est pas 2 plaques. C'est sûr, c'est pas 3 plaques, maman. Normal. Enfin là maintenant, parce que parfois je reçois 2 claques. Hein. Mais je le régénère pas quoi, tu vois. Je crois que c'est 2 claques, hein. 2 claques. Non, 2 claques, peut-être pas, mais 2. Je suis en x8, x9. On voit rien. Je vois rien, mais je continue à tirer. Donc... bah, la logique. Putain, j'ai pas de la flèche. Faut que ça en haut. On voit bien. Moi, je peux pas pêcher le ghost. Ouais, j'ai choisi la bonne porte. De toute façon. Vraiment c'est d'autres là qui met le zombie, arrive tellement vite que tu te reçois les deux fragments. Ouais d'accord. Et ça dépend si tu fonces sur le zombie ou si tu le frôles. Si tu fonces dessus, t'es blessé, c'est une plaque. Ah ouais d'accord. Ouais si je le frôle, il me fout une demi plaque quoi, c'est ça. Ok, c'est facile. On aurait. Bon allez, je taille. Bello. Bon stream à toi et good luck pour le goût. Merci va des gamers. C'est sur les avantages pour les inconvénients, faut choisir après. Ouais c'est ça. Ok c'est parti. Putain de raps.
tout, c'est cool. Oh, attends, j'ai reçu deux claques! Pourquoi j'ai fait ça? J'ai mal calculé le temps de mon invulnérabilité. Faut que ça en bas, parce qu'on s'en fout, j'ai déjà le truc de bonus. Putain, j'étais en fois combien, fait chier. Tu as vu? Screamer? Screamer? Un raps? Bah, t'as vu? Ouais, bah, j'ai peur, ouais. On m'a screamé, ouais. J'ai vu un raps, ça comme ça, c'est une petite boule rouge là, je me dis, voilà, c'est chaud. Bon. C'est le niveau après qui est super difficile. Le niveau après c'est au Japon, hein, c'est simple. C'est à ce moment-là que je vais personnaliser. J'ai pas eu un seul Apache, ni un seul véhicule. Enfin si j'ai eu un char, ça. Il est char. C'est maintenant que je vais avoir la map chinoise. Là. Map qui pue sa mère. Où ça, Lazar? Coucou, Ozna. Cette map, c'est la plus difficile. Allez! Je crois qu'en solo, tu m'as dit qu'il fallait pas que j'aille ici. Hein. Putain! Ouais, faut que j'utilise mes bombes, tu vois, c'est quasiment. On va à gauche, quoi. Bon, la première manche, c'est la plus difficile, je crois. Les autres, normalement, ça devrait plus ou moins passer. Logiquement, si tout se passe bien. Je sais pas pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis pas tiré dessus, wesh. Ouais. Manche en chinoise, merci, poto. À balancer des bombardements et des speed boosts. C'est là, chinoise, mort. Et des à fond, hein. Non, c'est là où il faut tourner, pas camper dans le camp, ok. Non. Magnifique. On va envoyer plein de flashs. Quoi? Mais pourquoi il y a encore une autre flèche? Je suis tombé sur notre symbole, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est encore le gorille? Comment tu veux que je tourne ici? T'as vu les poteaux électriques? Les gars, je le raps. Merde, je crois que je le prends, j'en ai besoin. Non. Chut. Ça, j'ai perdu une vie. Il me reste encore deux rondes à faire. J'ai perdu une vie, deux rondes à faire. Ça va, ok. Ah, moi je deviens insupportable.
Down. C'est bon, je pense que je vais pouvoir passer ce niveau. Mais t'as vu, je suis mort, je sais pas combien de fois là au début. Je crois que je suis mort 4-5 fois direct. Ah, c'est trop chaud. Le magicien est insupportable après la map. C'est dans l'entraînement. Ah ouais, la magicien est tombée. C'est les petites lampes rouges qui sont désagréables visuellement et après ta confusion, les poteaux électriques. Et qui prête à confusion des poteaux électriques, ouais, parfois. Sur des observateurs 1, quand tu utilises un boost, il n'y a pas d'invisibilité, sérieux? Ça veut dire que des fois tu utilises un boost et tu te fais direct tuer par le zombie en fin de boost. Oh my god, la tristesse aujourd'hui. C'est triste, mais je pense que je vais jamais dépasser la manche 161. Peut-être sur Dead Arcade 3, mais faut voir. Peut-être qu'on la dépassera ensemble, c'est comme si, tu vois, comme je t'avais dit, on allait faire un live super long. Peut-être qu'on la dépassera ce jour-là, quoi, tu vois. On va commencer vendredi, on finira dimanche, tu vois, on finira le plus tard possible. Vas-y, allez, hein, là y'a pas de poteau, je peux tourner tranquille. Merde, putain! Tu vois, ici je me suis bloqué ici, on peut pas passer à cause de ces petites rampes là qui casse les couilles. Oh! Puis c'est les lasers! Ah merde, j'ai qu'une tête! Ah, ça fout trop le seum ça! Ah, c'est bon! Hein, ah, c'est bon! J'ai deux têtes! Magnifique! Oh putain, ça c'est bon ça! Oh le raps! Bon, j'ai quand même perdu une vie sur cette manche. Bon maintenant, ça va être easy. On va pouvoir se relaxer. Allez, bon, c'est un bon. Ah oui, non, c'est quand même celle-là, fou. Je suis pas trop fan non plus, quoi. Hein. T'as vu, je suis pas fan du tout. Hein. Je galère sur cette manche. Marien! J'ai pas appuyé, hein! Qu'est-ce qu'il me raconte? Ah, c'est incroyable, cette petite araignée là! Il y a une araignée bloquée en bas. Ouais, c'est moi, mort. Faut que je fasse super super attention. Salut Pépico. J'ai aussi pas la meilleure co pour faire des parties aussi longues que ça. En local ça passe mais faut croiser les doigts pour espérer passer la 90. Ouais, j'espère vraiment que ta colle va tenir. Franchement c'est très simple quand même. Mais bon, si ça passe pas, ben c'est rien, c'est moi qui mets pas de lâcher la séquence maintenant. Je crois que j'ai réussi non. Putain, j'ai passé maintenant. Putain, j'ai réussi gros. T'as bien fait de le dire, oh, oh non. Moi j'ai pas réussi. Moi j'ai réussi à... Ah j'ai réussi à moitié en fait. Ok j'ai réussi à moitié. Regardez quelle bombe. Y'a qu'un moitié qui rappelle pas je crois. Y'a qu'un petit qui rappelle pas. Oui par contre. Par contre nise avec ça. Ouais j'ai mis trop tard. Ouais. Je crois que j'avais une justesse mais. Mais en fait, voilà maintenant. J'avais oublié, je crois que c'était à la fin, tu vois, genre la troisième ou deuxième, mais en fait non, c'était la première manche. Attends, j'ai choisi un truc, non, c'est bon. J'ai choisi laquelle, vas-y, c'est la première, hein. Bah non, peu importe, ça peu importe. Là, je vais choisir n'importe laquelle, hein. Juste savoir, hein, j'attends juste la réponse, parce que... La première, c'est celle du bois qui a paru. Je crois qu'il n'y a pas toutes les bleues, Ok, ok. Ok, ça roule. Alors maintenant j'ai deux poules et j'ai une poule en or. Il faut le pistolet. Il faut le crâne. Alors après j'aurai qu'un crâne quoi, ça pue. On fera un deuxième. Donnez-moi un crâne, wesh! Ouais, un char, c'est bon aussi. Dégagez les raps.
je vais recevoir deux flashs normalement, je reçois les deux flashs. Toutes les manches. Ouh. Oh, y'a une vie, y'a une vie. La poule dorée a le même effet que la poule normale, mais elle a un différent stade. Un tir normal, deux tirs de Gatling, trois tirs de pompe, quatre tirs de bazooka, cinquième, elle lâche des œufs et recommence le cycle. Ok, donc tir normal, tir de Gatling, tir de pompe, tir de pompe en troisième, ça c'est bon, tir de bazooka par aussi, et après elle lâche un œuf. Ok. Ah, je reçois qu'un seul flash par manche. Je crois que c'était deux. Putain, j'ai pas réussi à voir la boule. Barrette, hein. Pourquoi je prends crâne? Elle tombe juste là quoi. Je pense qu'il y a pas de crâne. Oh une ours. Oh là là. Putain, fais chier, il y a un truc juste en haut. Putain, je l'avais pas vu! Ça devient chaud, hein. Faut vite que je passe cette manche parce qu'elle me freine. Oh là. Merde! On se regarde pas sur sa fin. Elle me reste encore une, c'est chier. Deux vies. Ouais, je le prince de Pompeii! Ça va quoi, peut-être? Ah, je sens pas une baffe, je suis mort. On va prendre le risque. Merci Prince de Bobaye. Là maintenant ça va être un peu plus soft. Je vais essayer de pouvoir récupérer mes 9 vies s'il y a moyen. Ils m'ont bouffé mon œuf. Ça va durer tout près. C'est super dur comme mode. C'est super génial de ouf aussi. Ah, tu m'étonnes. Quand tu es la première personne, pense à faire stream comme ça, tu meurs pas. Non, mais t'inquiète, je connais le bail. Au moment où tu vas mourir. Ah, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, bien sûr. Au moment où je vais mourir, je vais direct sur stream. Pour que la nouvelle sur PC, du fou, je vais sur. Ok, merci, Panda Alex. Panda Alexi. Elle pourra faire des fois. J'adore le petit mode de jeu comme ça, moi. Ça te refait direct. Même. Ah, je me déconcentre, faut que j'arrête de m'enjailler comme ça, faut que je reste concentré parce que c'est quand tu t'enjailles qu'après ça va plus. Il faut que je défonce ce putain de gorille. Non, le. T'as vu, j'ai mal pris mon boost. Merde, j'ai oublié de prendre deux zombies à droite, ça, à gauche. Ah, je suis passé à côté. Bah, faut que j'essaye tous. Mâche. Trop.
Oh oui, j'ai mis un petit dernier coup de boost à la fin. Sinon j'en avais aucun. Bon après j'ai pas le bleu le plus gros quoi. Ah, j'adore les modes avec la voiture, vraiment aussi j'adore le mode. Il est trop stylé. Les fois 6, pourquoi je perds. Putain les enfants ils n'espèrent pas répondre là. Ah, il faut utiliser boss une fois. Mais j'ai ma petite technique, j'arrive à bien faire les trucs, mais parfois ça bug. C'est cool comme live, ça change de Fortnite. Enfin, j'avoue. C'est un jeu que je kiffe, c'est vraiment un jeu que je surkiffe, Genre quand je suis pété ou quand je rentre tard le soir, j'ai vraiment toujours envie de jouer à des dops. Mais le problème, c'est que j'ai un peu trop sous-côté. C'est pour ça que je live pas, tu vois. Alors aujourd'hui, je me suis dit, c'est bon, je suis motivé pour défoncer le gourou en solo. Donc je vais live. Non. Ah, c'est bon. Il y a une petite plaque. Il n'y a pas une petite plaque. Ça là vraiment. On fait disparaître ça. Faut en avoir avec un chat. Ma classe. Merde, j'ai pas vu la bonus. C'est pas grave, on va y aller au hasard. Moi j'ai c'est tout là-bas. J'ai plus de pièces hein. Ah non. Elle me manque une hein. Ne néglige pas. On va ça. Ça y est, j'ai ma poule qui s'énerve. Ah, ah, ah. Ah, c'est bon, j'ai 9 vies, mon gars. De 10 x 7. Bon, par contre, je suis mort. Je vais dedans. Bon, live à toi. J'aurais aimé rester plus longtemps. Pas de problème, gros. T'inquiète. Va te reposer, poteau, c'est crevé. Force pas. C'est déjà super cool que tu sois passé. Fais un petit coucou. C'est cool, c'est cool. Bon, c'est reparti. On a 2 heures. Logiquement, dans une demi-heure, on va le gorille. Si tout se passe bien. Bon, 45 minutes, tout. Oh, il a fait me défoncer. Les robots touchent. C'est one shot. Direct. Enfin, je sais pas si. Je crois que je vais pas rester en première personne, hein. Je crois que c'est une mauvaise idée. Pourquoi il arrive pas à appuyer sur triangle. Parce que je vais trop forcer. Il robot one shot. Bah ouais, putain, je le savais. Il robot one shot. J'ai une putain, pourquoi j'ai fait ça. Ça fait la merde. Allez! Putain! Je ne veux plus regarder la perdue, hein. J'ai reparti avec un centre. Arse de merde là. Ah, ma poule elle va fondre.
Ah, la plongée. La fin de Brooklyn. Oui, Charline, tranquille quoi. Salut, ça fait longtemps quoi de neuf. Salut ZB, tranquille et toi. Plus que cette salle. Attends, j'ai envie de savoir que ça disparaisse. Non, j'arrive là, je sais pas, je crois. Non, c'est ça non plus. Plus que cette salle, plus l'autre, et c'est la dernière salle. Le boss. Et tu vas pouvoir défoncer le boss, fais gaffe, il est costaud. Ouais, je sais bien, il est super costaud. T'as le karma. Et il reste encore 3 niveaux. Après celui-là, il y a la neige, puis après les chiens. Et après, c'est le boss, comme ça. Donc, ce niveau-là, la neige, les chiens, et puis le boss. Si je me souviens bien. Je vais avoir une petite manche défi pour récupérer des fois avec un petit char. Ça va faire du bien aussi ça. Ah là là là. Ah c'est nickel, je récupère ma vie. On va une petite tête de mort là, tiens. Hein. Ok, il y en a pas. Ça rate. Ah oui, pistolet laser. Un crâne. Non, plus qu'un. Ah, il y en a un là. Voilà, c'est bon. Parfait. Je vais faire un crâne. Yo, salut, Sokuna. Ça fait du bien du dédops, ouais, ça fait du bien gros. Mais ça fait plein de pression aussi. C'est trop intense le dédops. Ah, une petite tête, ouais, y'en a une là. Non, il a pris le pompe! Enfin, grave, il est bien aussi avec une grosse tête. Non! Putain, tout ça pour la pompe, hein, fait chier. C'est chaud quand t'as pas couru vite en fait, prendre du crâne. Et jouer avec tout ça, c'est chaud quand t'as pas couru vite. Je pense avec la poule, faut pas chercher, hein. C'est trop risqué. Je suis pas assez rapide. Ok, il faut 5, hein, il fait du bien. Oulala, de baffe! T'es sérieux là? C'est pas fait très hein. Parfois tu vois que tu passes mais tu passes pas. C'est vrai, j'ai fait l'année des clés, j'en ai plus qu'un. C'est flammé ouais. Attends, faut que je meure. Hein. C'est ma dernière chance hein. Après c'est moi je défie là, faut que je meure. Pardon le stress hein, pardon le stress en plus je bats du Red Bull mec. Ça va Bicep, Guerrera. Mais moi c'est dommage, je suis pas assez fort en solo, je fais à peine ma manche. Mais c'est tout de l'entraînement quoi, mais il y a aussi le stress quoi. C'est tellement intense ce jeu. C'est pas comme le mode zombie normal, enfin. Le mode zombie normal quand t'arrives à tourner, la map elle change pas, donc tu vas dans ton coin et c'est toujours la même chose. Là tu dois t'adapter aux maps, donc tu ne connais pas les maps, moi je les connais pas assez. Faut regarder les youtubeurs, les gros youtubeurs, mais bon y'en a pas tant que ça qui jouent à des box. Regarde un peu ce qu'ils font, où est-ce qu'ils tournent. Après ce qui est bien aussi c'est que le challenge il varie à chaque partie parce qu'il y a des poteaux qui se met à certains endroits. Puis après dans une autre partie il se met à d'autres. Donc c'est pas comme le zombie où tu vois un seul youtubeur faire le taf. Et t'as toujours fait la même chose que lui, et puis voilà, c'est tout, tu vois. C'est pas du tout comme ça, parce que ça change, tu veux pas vraiment. Tu dois pas entraîner, et c'est de t'adapter. C'est franchement, c'est du challenge, quoi. C'est du challenge de ouf, quoi. Enfin, moi, c'est mon avis personnel, là, tu vois. Ce qui est bien, c'est que ça. Pour pas te gourer, faut déjà avoir un putain de niveau, tu vois. Mais ce qui est bien, c'est que pour pas te gourer, il faut genre 2h30, 3h, 3h30, tu vois, ça dépend si tu rushes, quoi, ou si tu rushes pas, quoi. Que pour faire une grosse map, j'ai oublié ces deux-là. Oh, je me suis pas que il m'a niqué un fois, hein. J'en fais 9, il m'a niqué. Je me suis touché juste à la fin. Bon vas-y concentration, je peux pas être mon focus. Une fois 9.
Tu vois, là, il y a des poteaux. Donc là, tourner à droite, c'est chaud, tu vois. Là, il y a des poteaux en bas aussi, faut faire gaffe. Les poteaux, ils se mettent pas tout le temps en même endroit, c'est ça qui est cool, quoi, tu vois. C'est une challenge à chaque partie. Là, si c'est possible qu'il y ait plein de poteaux partout, là, franchement, pour tourner, c'est. Faut avoir parfois de la chance, un peu, tu vois. Si t'as les poteaux, ils sont mal placés, c'est un peu. Bon, ça, quelle map? Ok, ça va. Ok, il me reste une, deux, trois maps. Donc le métro, ok, ok, il me reste trois. Ah, mon gris. Tu vois, là, j'ai des poteaux en plein milieu, ça fait chier. Tourne en bas, je passe une bonne idée, voici un moyen. Les escaliers, quand tu les montes, t'es ralenti. Donc déjà, je suis très rapide. Parce que le gars ça rend quoi en photo. Attends deux secondes là. Je vais fumer un petit peu, je vais répondre à vos commentaires. Faut pas trop que ça me déconcentre. Alors moi j'ai trouvé des bosses arcades. Alors tu peux faire un tuto astuce des bosses. Ah, franchement c'est ce que je comptais faire pour toi. Le jeu n'est pas mal, ça allait dire. Moi j'ai trouvé des bosses arcades, c'est vraiment des challenges. Parce que le zombie classique, dès que t'as la strat c'est au milieu, chiant et facile. À la limite, The Ruck de B1 et World of Warcraft. Et waouh. Là il y a du challenge. Ouais c'est vrai. Je suis d'accord. Même Kachina dit ok. Je me suis dit, attends, je me suis mis montage. En réfléchissant, je ferai bien des vidéos sur des dos pour expliquer un peu plus en français, au français comment ça marche. Bah ouais, carrément fou, c'est ce que je voulais faire aussi, tu vois, que je t'avais dit. Oh la Goldbat, comment tu vas? Et comment les chats, ça sera bien pour toi, ça sera bien, merci gros. Merci, toi t'as l'impression, la carte. Elle, là, la varicelle, bah, tu as encore ton système de points en fonction des heures qu'on passe sur ta live. Non, d'accord, putain, j'ai tout remettre à zéro quand je reviendrai, je mettrai un autre système, plein d'autres trucs, quoi, tu vois. Et concentré, bah ouais, carrément, gros. Faut que je n'ai que le gorille, là, je suis en fin 9, si je meurs, je suis en fin 9, je suis dégoûté. Tu penses, c'est quoi le plus dur entre le gorille cosmique et Mephisto? C'est le gorille, gros. C'est le gorille. Non, en réalité, quand t'as la strat du gorille, ça va, tu vois. Mais faut avoir de la chance, tu vois. Et Mephisto, je pense qu'il est vraiment hard. Je pense que Mephisto, il bat le gorille quand même. Il est en difficulté, il le bat, tu vois. Ça, c'est toi. Au calme, toi, ça veut dire que tu passes sur la live, c'est cool. En plus, j'ai joué avec le petit mobile, là, du zombie et du bâtiment, ouais, exact. Attends, désolé, pas de pull, le mec, hein, je banne 300 secondes, je te banne pas d'F. Ah, ça peut être bon, vas-y, reste là, si c'était chaud, vas-y. Si t'as rien à faire demain et que tu peux aller dormir un peu plus tard, bah, reste là pour le soutien, bon, ça fait plaisir. Yo, dame, bienvenue. Gros, je te jure, je suis en stress, mon gars. C'est chaud ce jeu, c'est chaud. J'achèterai de la copse rien que pour ce jeu, mon pote. Je paierai 500 balles rien que pour jouer à ce jeu. Bon, concentration. On rigole plus, hein. Ouf, comment il m'a foncé dessus, il est fou, quoi. Concentration, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais quoi? J'avais plus de flash! On sait, attention, elle date pas de mon fin 9. Ah là 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 là. Faut pas que je lui plaise sa bonus. Mais n'hésitez pas à liker le poteau. Et le dernier zombie là. Allez, on y met les 50 likes. Go, go, go. Là, les 50 likes, vous êtes au top. Merci le poteau. C'est rien, concentre-toi. Pour toi, c'est quoi ton placement? Des dessins? Des dessins, je comprends pas. Oh my god, oh non. Allez, go, fun gaming, ça va quoi. Ah, il est là. Le bloqué dans la fenêtre. Salut, dessin du chillement. Le placement des dessins. Placement des dessins. Ben, c'est
Si tu veux une kill gorille, c'est la poule. Si tu veux, t'as vu, j'ai la salle bonus, mais ouais, j'ai retrouvé la flash, c'est nickel. Donc, la poule pour une kill gorille. Si tu veux dépasser le gorille, donc si tu veux une kill gorille parce que t'as la chaîne qui est pas d'habitude, tu prends les chaussures vite. Comme ça, tu peux aller blindé loin, tu vois. Genre, mange 80, 90, 100, tu vois, enfin, 90. Sinon, après, il y a la Gatling. La Gatling, ça te ralentit, mais bon, après, voilà. Ça dépend un peu ton truc. Mais moi, mon classement, c'est poule, puis courir vite. Je trouve une nouvelle méthode pour XP Anafini sur Fortnite avec le Strike Pack. Bien joué, fan. Moi, j'ai toujours la même qui fonctionne toujours. J'ai déjà like avant de dire bonjour, un DRM 6 stats. Pour un solo, une botte, deux poulets, trois guns, quatre diamants. Bah, carrément, diamant, ça va rien. Mais Sitam, c'est mon mentor, donc écoutez-le bien, c'est un best. Il est classé 180e sur Deadlos. 180e mondial, donc ça rigole pas. Moi, j'ai récupéré plein de flash maintenant. x2, ça fait rien. Non, j'ai pris le pont, connard. Quoi, mais qu'est-ce qui m'a bloqué, wesh? Un rampant? Ah ouais, c'est le truc qui lance des fusils qui fait des rampants, je crois. Oh là 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 là. J'ai plein de vie. Ah, 80! 87ème putain, 87ème mondial, mon pote. Oh, il me faut la carte. Non, pas ça. Je la mets ça. C'est quoi là maintenant? Ah ouais, c'est pas, putain, c'est là le pire, merde. Bon, après j'ai ma poule. Faut peut-être me sauver. Les chiens, ils sont trop chauds. Ils te foncent dessus. Ils fun. Voilà. Voilà, je me suis touché. J'arrive pas à prendre de con. Oh, y'a un tête de mort. Voilà. Là, là. Non, il m'aille. Ça, c'est obligé que je meurs, c'est ça. Ah, la rapache. La première rapache de la game avec déjà. Pas longtemps, hein. Encore j'ai ma poule parce que sinon je serais mort plusieurs fois, hein, c'est sûr. Ouf. Attends. Je vais lire un peu. Hein. T'inquiète, hein. Ça dépend ce que tu veux faire en fait. Tu veux juste faire un gorille et arrêter.
Faut mieux prendre le poulet, c'est perpide. Salut, salut droit, Drazox. Tu pourrais m'aider, pas ton Mephisto sur le W parce que j'ai le director cut, mais j'arrive pas à le battre. Ah, moi je fais plus du W d'Arcane, donc désolé. Un go, tu vas prendre. Tu meurs trop là. Mais c'est pas facile, Golgot. Merci, Golgot. Il te reste combien de map par Angori? Deux. Oh, le charme derrière, ou deux. Il faut quoi, le gros poulet au geste? Le gros poulet, il met de dos, je pense avoir compris. Une case de bouche à derrière, carrément, pour deux. Il finit la manche, ensuite il y a 4 manches et la map de la neige, ensuite 4 manches sur le toit. Ah, ouais, c'est sur le toit la prochaine fois. Ensuite 3 manches dans la map du gris et ensuite le gris. Logiquement, dans 30 minutes, je pense. Ça a pris plus de temps que prévu. Un jour, tu feras un live sur les autres arcades de B1. Ce serait trop stylé, j'ai pas B1. J'ai pas la PlayStation 4, je sais pas. Le poulet tire. Avec un poulet de latence là que tu tires, mais avec la même arme que tu utilises. Exact. J'ai jamais vraiment joué sur cette map. Bon, je suis un chercheur de secrets, c'est vrai. Mais franchement, Golgot, si tu devrais tester, c'est trop intense comme jeu. Sur les autres arcades 1, les chiens te font 3 hits et tu meurs sauf que la vie ne se régénère pas entre les coups. Donc, tu peux te prendre 2 hits direct et 10 minutes après, tu te prends un hit et tu crèves. Ah ouais, donc là, c'est bien parce que tu prends un hit, tu sens un bourdonnement comme ça. Et après, si tu te fais toucher une deuxième fois dans les 3 secondes, c'est bon, t'es mort. Que là, si t'as pendant 5 secondes, bah, c'est bon, tu peux te faire toucher une fois, tu vois. Donc, ça, c'est cool. Je me souviens après avoir regardé tes vidéos sur Bocat, Golgot. Ils sont casse bonbons, les chiens, de toute façon, dans le monde zombie, carrément. C'est gentil, merci, secret seconde à Bocat, les mecs, vous savez. Les mecs, vous savez. Cœur. Ah, vous gérez, ok. Merci. Ça va, tranquille, les 3. Corbeau. Est-ce que espèce de monstre, tu es en train de maltraiter les chiens derrière moi. Oh là, salut Stéphanie, ça va quoi? Bienvenue, il maltraite le jeu là. Yo, poto. Salut Caribou, ça fait plaisir de te voir en live, je pensais que tu étais décédé. Non, je passe entre la vie et la mort, mais toi, on fait des trucs électrochocs et je suis revenu à la vie, mon gars. Je suis un zombie en fait maintenant. Le zombie, le meilleur zombie. Bon, allez, c'est une concentration. Je crois que c'était en bas, j'ai plus. Merci Dark Noir. Ah, il a pondu. Il a pondu, malade. Touché par les œufs, en tant que tu l'es. Du coup, t'es pote avec le gorille, c'était un zombie? Ouais, carrément. Refait W, mec, c'est cool. Ah, mais j'y joue plus poteau. Un des C4, il faut qu'on se refasse quelqu'un de Fortnite ou Apex si t'es chaud. Fortnite, ça peut se faire. Apex, je suis pas très chaud, mais Fortnite, ça peut se faire. Même si pour l'instant, je suis pas trop chaud, mais on verra, tu vois. Mais n'hésite pas à contacter André ou John, tu vois. Il joue encore, donc. En vrai, mec, attends. En vrai, change rien, mec. T'es au top. Mon mec, ton chat. Et très bonne commu aussi, vous assurez, pour votre soutien que vous lui apportez. Pour ça, Sako, pour ça, Bolbot, pour ça, Caribou, pour ça, tout le chat. On croise les doigts pour qui? Ne tue le gorille. Fortnite, non. Plus de. Plus son. Fortnite, non, plus son. Voilà. Plus son homme. Pas capté, c'est pas grave. Comment ça, tu joues plus W, il y a des. Il y a un jeu de gamins. Un jeu de gamins. Fortnite, voilà, gros. Fortnite, c'est incontournable le jeu, gros. Je sais pas de quoi je vois Fortnite, gros. Je peux pas me reprocher de jouer à Fortnite, mais c'est pas possible, wesh. Je dis gamin, il est très compliqué comme jeu, hein. Moi j'arrive pas à faire des top 1 facilement, hein. Enfin, c'est tout simple. Ouh, le petit chien qui arrive à comme ça en chenette. Non, mais je crois qu'il s'était mort, moi. On peut faire enculer. Mais les gars, je le courir. Je me défoncer, moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait déjà full dégâts comme ça, alors je vais prendre le tuer plus tard. Qui sait? Il est super cool, non? J'aime pas ça.
Ah, j'ai pas vu. Ok, maintenant on passe sur les toits. Je suis pas très fan non plus de cette map. Hein. Dernier mont, puis après c'est bon. Si tu regardes des streamers connus comme Gregan, Notfan, Déclin, Michou, etc., ils jouent plus Fortnite, ils en ont marre, exact. C'est compréhensible. Mais après, c'est pas les vues qu'il faut qu'ils regardent, mais si c'est un problème, si c'est important, le plus important c'est pas d'aller s'enfermer dans un jeu auquel tu as pas de hype d'y jouer, car tu montes en commun. Et donc, en plus, tu changes le jeu, il y a plus personne. Exact. Mais comme là, il y a plus de zombies, moi je suis pas trop quoi faire. Tu vois. Donc je fais du Fortnite, parce que je suis sur Fortnite, mais bon. Voilà, exactement. Donc des fois, faut mieux pas avoir beaucoup de monde, mais des fidèles qui te suivent pour ce que tu aimes et pas pour un jeu. Prends un mec comme Napo. Oh, Napo, tu viens avec Fortnite. Demain, il y aura vraiment. Bah, avant Fortnite, Napo, il était pas mal aussi. Il faisait quand même il avait une bonne communauté. Maintenant, avec Fortnite, alors, il a fait du truc good fight et tout. Il gérait, donc il s'est fait connaître face à Fortnite, mais c'est un tremplin Fortnite, c'est tout. Après, il gère quand même Napo. Ouais, je te dis à très longtemps. Salut, Kiki, merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que tu passes ça. Et ouais, effectivement, ça fait un bail. Je crois que la dernière fois que j'ai live, c'était il y a plus d'un mois. C'était pour un événement Fortnite. Hein. Ouf, ça passe. Non mais c'était chaud hein. Merde. Ah oui, des munitions. Moi je suis en x2. Dans une tête de mort que j'ai pris sans faire exprès. Il y a un robot, c'est intéressant, il le faut. On va monter voir ce qu'il y a. Je vais pas du monter. Je crois que je vais devoir laisser tomber le pistolet, obligé. Il y a un bonus. Allez. Ah non, c'est pas peur. Allez. Je passais un putain. C'est pas de la merde, je passais largement. C'est de l'arnaque. Rien sur la map. Yo po. Le fait des glitches, c'était sur le plasma. Quand j'aurai envie de refaire des glitches, j'en refais, t'inquiète pas. Ouais, mais sur un jeu, c'est un effet de mode, quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, ça streamera ailleurs. Donc au final, c'est réciproque. Si tu restes sur un jeu, ou si tu en fais plusieurs, moi je dis, ouais, faut varier le plaisir. Autant faire ça commu sur plusieurs jeux directs, mais après chacun son opinion. Non, moi je travaille toujours un jeu par un jeu. Après j'ai divagué un peu sur Fortnite et Call of, enfin, je faisais les deux. Mais ouais. Après moi je me suis servi aussi de Fortnite comme un tremplin. Parce que tout le monde en parlait, donc j'avais pas le choix, j'étais obligé de jouer sur Fortnite. Après j'ai pris goût, après malin ça me passe un peu, mais peut-être que je reprends goût quand on fait une nouvelle saison, un nouveau truc quoi. Après YouTube, les gens en général s'abonnent pour le jeu qu'il y a sur la chaîne et pas pour l'ultime. Mais ouais, c'est ça en fait. Le problème chez les youtubeurs gaming, c'est que nous, enfin sauf il y a des youtubeurs gaming qui arrivent à attirer leur communauté pour leur personnalité parce qu'ils ont une personnalité très sympa. Mais pour une personne simple comme moi qui a rien d'extraordinaire, hein, logiquement, s'il n'y a pas de jeu qui hype la commu et qui m'intéresse en même temps, bah voilà, ma chaîne ne marche plus trop quoi. C'est pas évident, hein, c'est vraiment pas évident hein, pour un youtubeur gaming. Hein. C'est pas évident du tout, mais. Les jeux, c'est un tremplin pour un youtubeur gaming. Soit là, je vois un jeu que personne tape sur YouTube, des Dobs Arcade, 2, Life, tu vois. Il y a une personne qui est tombée sur le live aujourd'hui parce que je vais à des Dobs 2, ça me tendrait quoi. Enfin, peut-être une quoi. Personne qui passe, c'est des personnes qui veulent me faire plaisir, qui veulent voir ce que je fais, ou qui ont tapé live FR et qui sont tombés sur moi, tu vois. Mais ils n'ont pas tapé des Dobs Arcade. Hein. Parce que le jeu, il y a personne, il est des sous-côtés, il y a personne qui s'intéresse. Je joue vraiment un jeu qui intéresse personne. Sauf si t'as moi. Parce que moi, les Citam, ben gros la pression, tu vois. Ça me donne des surfroids ce jeu. Moi, si j'en tremble, hein, vraiment. Hein. Là, je tiens bien la manette en main, donc je tremble pas, mais si je lâche la manette, je tremble un petit peu, hein. Le stress et tout. Gauche.
Je sais pas, je crois qu'il y a encore un jeu, hein, je crois qu'il y a encore les... Il y a encore un jeu, un petit jeu, je crois, après. Genre avec le foot, là. Oh, je suis pas sûr. Après, YouTube, hein, c'est plus facile sur Twitch pour le multigame, derrière, derrière. Regarde, Michou, il peut faire du Fortnite, comme du Minecraft, du Sim. Il a quand même atteint un cas de personnes qui regardent MDR. Pourquoi? Car il était de comprendre MDR, la vérité. Excellent. Excellent, excellent. Pourquoi tu fais pas de Call of Duty comme tout le monde? Parce qu'en fait, j'ai plus envie, j'ai pas envie. Si j'ai envie, je serai, bah, regardez, on fait faire ça, on fait des petits tutos, on fait des petits glitches. Là, je sais pas, j'ai perdu envie. En même temps, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube, je perce pas forcément, donc ça me fait chier aussi, tu vois, ça me fout un peu le simple. Je fais un burn-out. Un burn-out? Ouais, c'est ça, un burn-out. Là, je fais un peu de recul sur YouTube, je reviendrai sûrement plus en force plus tard, tu vois. Qui fait Call of à part Flock, c'est-à-dire, nous, c'est fait Call of aussi, tu fais encore Call of, non? Et bah, moi, je fais Call of. Très rarement, en live, en tout cas. Ah, salut, Ban Pêche, ça va, Kokoto. Ah, bah, le Dead of Starcraft. Et moi, c'est une grande histoire d'amour. Ah, pareil, c'est un pareil. Et c'est une grande histoire d'amour avec toi, c'est un aussi. Kenshin aussi. Ah, bah, tout le monde. Mais c'est zombie que je connais. Ils ont plus trop. Effectivement, Flapix tous les jours, il est en train de tomber, c'est possible. Sûrement sur Twitch ou quoi, non? Bah ouais, c'est vrai, il live plus sur YouTube. Si moi j'ai tapé Dead of Starcraft, j'ai trouvé ton live, putain, d'après moi, c'est chaud ça. C'est un bon alors. C'est B1, non? C'est BO3, Ban Pêche. Moi par exemple, là c'est Dead of Starcraft 2. Moi, sur B1, c'est Dead of Starcraft 1. Moi je joue par exemple nouveau Call of MW. Ouais, il est bien nouveau Call of MW, mais il y a pas de zombie, donc ça m'a pas donné envie de l'acheter, tu vois. Après, il est bien, franchement, il est bien. Dommage que ce soit, quoi que ce soit, avec ça. Concentration, Dragon Fire. Ah, c'est à ce moment-là qu'il met les potos partout, je crois. Ouais, c'est à ce moment-là, je crois. Ah merde, j'avais 9 mondes, j'utilise moi. C'est pas maintenant qu'il mettait tout partout. Ah, je crois. Quelqu'un dans les hauts qui est en train de moi. Je crois que c'est en bas, ouais, c'est en bas. Si je m'en roule, y'a plein de piquets. Non, c'est pas dans le soir. Fais gaffe, parce que parfois, on voit pas bien là, le bas là, tu vois, on voit pas bien. Ouais, tous les streamers Call of sont à la retraite maintenant. Ouais, y'a des zombies, frère. Et puis même quand il y a des zombies, Black Ops Live, personne qui regarde, enfin, beaucoup moins, tu vois. Bah, arrête des zombies, apparemment, là. C'est pas pour rien, mon frère. Moi, j'aime bien ça, va, il est marrant quand il veut pas ressembler à Squeezie. Mais en même temps, il nous donne des maps avec des secrets, des easter eggs. On serait sur des zombies. Exactement. Moi, perso, je gâte mon stream et je fais la bête de l'au-delà en même temps, puis j'attaque mon fils au map. Franchement, bonne chance, family. Et je réalise le secret de Nine, 73 fois, la putain. T'es ouf, mon pote, 73 fois. Yo, ça flotte de Twitch, j'ai regardé le bon du temps, putain. S'il y a un secret qui a été découvert sur Night. S'il y a pas un secret. Tu gâtes, y'a pas un nouveau secret. Non, en haut. Pourquoi c'est en haut? Tu crois que c'est en haut? Bah, de toute façon, j'ai déjà choisi le truc. Les coupoles là. Ah oui, les coupoles là. Oui, c'est en live, je l'ai défoncé. Attends, je fais quoi? J'ai autorisé. Ouais. Je l'ai défoncé. J'étais le premier à avoir trouvé le vrai tuto du bouclier. Améliorer son bug. Waouh, j'avoue. J'ai joué à Golgot. Mais merci. Hein. Mais t'as vu, c'était en bas. C'était en bas, gros. C'était en bas. C'est pas pour monter, mais j'ai raison. C'est en bas, gros. En haut, elle arrive après. Une demi-seconde après. J'ai de l'œil, mon pote. Ah oui, c'est maintenant qu'il y a tous les potos là. Regarde, c'est des trucs électriques là. Il me casse les couilles, ça. Là, il met des potos partout. Ah, j'ai pris la tête là. Merde. Ah ouais, bah ouais gros. Mais ouais, mais obligé gros, mais obligé, qu'est-ce que je prends en première personne maintenant? Sois cool, sérieux. Qu'est-ce que tu fais? En plus je sais même pas ce m'a tué en fait, hein. On s'est quand même one shot, hein. Parce que j'ai pas reçu un coup. Donc à mon avis c'est soit un robot, soit un chien. Ouais, peut-être un chien ou un grave, ça. Il y a trop de possibilités. On a tous les poteaux qui arrivent là. En haut c'est le début de poteau, hein, gros, mais même pas. C'est pas les poteaux, hein, c'est des poteaux. C'est des poteaux, hein. Ok, bonne merde. Ouais, je vais bien la vie, merci. Faut pas voyager sur un map, ça sert à rien en haut, c'est le bordel. Je vous montrerai à la fin. Allez voir ce que les poteaux font, descendre. Gage avec ton poteau, toi. Pfff, derrière moi. Les corbeaux là, ils viennent derrière toi, c'est des zombies noirs là. Ils volent et ils se mettent derrière toi et. Ok, nickel. Je vais vous montrer les poteaux en haut. Vous allez halluciner. C'est vraiment ça. Le bordel quoi. C'est trop ouf. Qu'est-ce que tu veux tourner en haut? C'est pour ça, tu peux être à un endroit. Tu peux les zombies électriques. Faut que tu mettes un seul poteau. Oh, je vais faire un petit coup. Parce que là, on est au gorille dans 3 manches. Là, on arrive dans la map du gorille. Faut que je fasse un petit coup. Pouf. Il me reste combien de vie?
9 vies, 9 vies, fois 2, et logiquement, il y a peut-être un moyen que j'ai un truc bonus, mais je suis pas sûr. Ce serait bien quand même, ça me ferait monter mon foie. Après, je le perdrais direct à la moins que je vais décorer. Putain, si je te jure, si je. Eh bon, je suis pas boule. 73, off. Coupole, MRCN, c'est moi qui vais autoriser son message. Merci vraiment de chemin. Nice, Tiger. C'est quel zombie que tu fais là? C'est Dead of Sarcade sur Black Ops 3, un zombie bonus que t'as dans le jeu. Et encore les modos de réveiller, et encore les modos de réveiller, t'inquiète, nice. Ça fait plaisir. Il reste 3 manches, Wolbe, 3 manches. Vous allez voir, je vais mourir plein de dindés, c'est ouf, j'ai vraiment du mal à le faire en solo. J'ai vraiment tout donné pour y arriver. Et merci les modos, toujours au pied. Merci Fomi. Moi aussi. Tiens, je t'accompagne. Pas mon petit bébé. Non, t'es fou quoi. Je vais pas le laisser. Allez, démonte mon King Kong, t'inquiète. Je vais le faire, je vais le faire. Impossible que tu partes trop bien là. Ah, tu penses? J'espère que t'as raison. J'espère. Bon, encore 2-3 taf. Ah, j'en tremble. Sans réponse. Si je nique le gorille, c'est pour toi que je le fais. Et c'est grâce à toi aussi. C'est mon dernier verre. Excellent. Faut d'adrénaline, mon pote. C'est la première fois que je reste autant de temps sur le live de quelqu'un. Lol, bah, ça fait plaisir. Je me suis abonné à ta Google, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à Google. Mais... Alors là, j'ai des dédicaces en tout. Et tout moi. Exactement, c'est pas mon moment de refaire un peu. Et la petite basse. Allez, c'est parti. Il y a un char. J'ai bloqué. J'ai oublié la dernière fois. On est mort. Chat. Il vient de la poule, il vient de la poule. Margot, attention, bien le Il faut que je garde le conf. On a conduit ses œufs, magnifique. Mais Yagori va arriver, je crois. De toute façon, le pont, je peux pas le garder. Hein. Je pourrais pas le garder. J'ai pas vu, je crois que c'est en haut. Hein. Je crois que le pont, je peux pas le garder parce que tu te souviens, Sitam, à la fin, avant de passer au gorille, on a une manche bonus. Je sais pas si tu te souviens. Par contre, là, je vais quand même regarder parce qu'il faut absolument que je voie. C'était quoi la dernière flèche? La dernière flèche. C'est trop important. Après, je dirai beaucoup après. C'est en haut. Soit je crois que c'est en bas, je m'en fais vérifier. Quoi? Ok. C'est en haut. Ah, parfait. T'as tous les poteaux. C'est quoi?
C'était rare, putain, je vais tirer dessus, je comprends pas là. Putain de merde, c'est cool. Je vais tirer dessus, putain. Je vais en replay là. Il y a un bois. Je ralentis. Je ralentis. BG, bande de sales lucioles. Faut surtout pas que je perde mon rien quand je suis boss. On devrait faire une façon de gérer un bonus. Là, je pense que là, on va avoir un bonus. Ça va être, je sais plus c'est quoi. Ouais, je sais plus c'est quoi. Je pense qu'il y a une bonus là. Ah non? C'est le bruit? Ah ouais? Putain, toi, c'est pas ça. Ça change à chaque fois. Il est où? Il est là. Putain, j'ai pas vraiment de bonheur. Hein. Ça va être galère, ça va être galère. Voilà. Oh là! Il perd pas de vie, hein. Incroyable. Ici, il me tape des éclairs, hein. Il me lance des bananes. Un délire. Yo, yo. Non, le poteau! Ça, si j'arrive à avoir un pompe là, je refais. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Putain, me donne pas de pompe. Je vois pas avec les losers. Est-ce que je peux le boxer? Alors, faut pas du tout attendre là-bas. Donnez-moi un con, quoi. Mais j'y suis presque. Allez, tu vas crever, connard! Il crève, hein, putain! Putain! Ah, c'est bon, je m'appelais. Ah non, il est pas grand. Oh, je l'ai battu! Je l'ai battu! Je l'ai battu! Je ramasse tout, je ramasse tout, je ramasse tout. Quoi? Ah ouais. Les joyaux, les joyaux, les joyaux. Oh my god. Putain. Je l'attendais tellement celui-là. Oh là là, le bonheur mon gars, le bonheur. La poule elle est contente, je l'ai libérée. Je vais pouvoir sortir avec. Enfin, la poulette. Regardez-moi ça, les joyaux. C'est un terrain fin 9 j'espère. Non, x7, c'est tout. J'en veux plus, moi j'en veux plus. On va voir, et je meurs 32 fois. On va voir combien de temps j'ai. J'ai mis, je pense, 3h15 minutes. 3h15 minutes. Il pouf, bien joué le poteau. C'est pour toi, c'est pour toi, ma gueule. Voilà, je suis trop fort, je suis trop fort. J'étais déterminé, j'ai réussi. Persévérance, détermination. Putain, si je suis heureux. Merci à tous pour votre soutien, c'était insane. C'est grâce à vous, mec. C'est le bordel, mon pote, c'est le bordel. Attends, j'ai des gros messages.
J'en étais où? Ouais. Allez, j'ai détecté la petite boisson, c'est la mini. La marque, attention, il y a une rideau de poulet, t'inquiète, c'est un bon contenu. Que tu as, je regarderai. C'est pas comme si Tam l'avait dit. Et merci beaucoup, ça fait plaisir. On essaye en ce moment, c'est un peu un mot de game, exactement. Faux, t'inquiète, faux, les gars. Comme vous. Lâchez pas, restez debout, ça va y aller, j'espère. Yo Didi, à cette allure, la race des zombies va être en voie de disparition. Je pense que j'ai tué des millions de zombies. On parle avec tous les jeux, quoi. C'est pas facile, mais on aime notre passion exacte. Tu vois le pont pendant le boss avec la poule, je pense. Bah, je l'ai même pas eu le. Je me dis, la poule, elle va tirer en pont, bah, non, rien à voir, quoi. Elle tire en fois 1, quoi. Allez, go, démonte King Kong, et après, je vais mater exorcisme. Ça marche, exorciste. Bon, moi, j'y go, les gars, continuez comme ça. Bonne soirée, force à vous, merci, family. C'est moi, où il y a les bombardements de poules volantes. Des bombardements de poules volantes. C'est aussi le respect, man. Bonne soirée, family, pense à des bons exacts, mais je vais les garder, tiens. Au final, je vais pisser, et j'ai ogri. Ouais, j'ai trié, j'ai trié. Merci beaucoup, j'étais. Ouais, j'ai plus. Ah, ouais, le poteau, c'est le bordel. Good game, good game, bien joué, poteau. Tout ça pour une poule. Ah, c'est une femme, ça, c'est femme. Ah, c'est femme, ouais. D'ailleurs, j'ai bon les jeux go. Dodo, t'as fini. Merci, Golgo, d'avoir resté jusqu'à la fin, ça fait super plaisir. Je continue, ouais, je vais continuer. Ouais. Je continue jusqu'à la fin, je crois, juste avant que je dorme. Good game, soit cool. À partir de maintenant, les manches vont durer vraiment, vraiment plus longtemps. Exactement, je sais. Merci, Wazix. Alors, merci à toi, bonne soirée à tout le monde. Merci, Golgo, bonne soirée à toi, poteau. Merci à toi aussi. En tout cas, tu as bien joué tout le long, vraiment bien joué. Merci, Sitam, ça fait plaisir. Trop vrai. Préno, ce go. En tout cas, Sitam, j'ai bien joué. Mon truc des chinois, j'ai quand même file. Après la map ronde avec les bussoles et le trou au milieu, j'ai quand même file aussi. Sinon le reste j'ai bien joué. C'est deux maps là, je crois que je les ai pas bien gérées, mais ça va, je me suis bien rattrapé par après. Donc. J'ai vraiment cru que j'allais perdre hein, pendant ces deux maps là. J'ai vraiment cru que j'ai perdu tellement de vie, il me restait genre deux vies à un moment, c'était chaud. Ah, j'ai réussi mec. Bon bah les potos, pour ceux qui veulent pas aller dormir, qui veulent me téma, vous pouvez faire. Moi je vais continuer jusqu'à la fin. Il y a une autre map, une potine quoi. Une potine m'a dit. Vers 16h ou quoi? Ok, 16h, si je vais dormir à 4h, ça fait 12h de sommeil au KLM. On va voir jusqu'où je vais aller. Direct dans le Fremden Pool, normal. Donc là, on retourne au niveau 1. La manche 1. Enfin, c'est la manche 65, je crois. Mais vous allez voir comment c'est le bordel parce que il y a ma zombie. Et là, les zombies sont mélangés. Il y a des chiens, il y a des araignées, il y a des rats. Il y a des gorilles. La poule avec les œufs. C'est le bordel, hein. C'est vraiment le bordel. Hein. Là, je suis en train de battre mon record. En solo. Putain, j'ai peur, mais je passe en fait. Non mais t'as vu c'est un putain de zombie arc-en-ciel qui m'a foncé dessus wesh. L'arc-en-ciel c'est bien meuf. Après c'est pas ouf hein. Une première fois 7 sa mère. Quand j'en aurai marre j'arrêterai, si je meurs pas je vais faire juste à 6h du mat. Je sais pas mais je verrai bien jusqu'où je vais aller. Et si je meurs pas je me pose. Et je continuerai plus tard. Je vais se crâne. La chine, c'est normal, elle est vraiment trop hard. Mais la map, en deux notes, tu peux la gérer. Ouais, je peux le faire, mais manque de confiance, je pense. J'arrive pas trop à gérer. Je suis encore là. Bah, ça, c'est cool ça. Ouais, la map avec le rond, j'ai du mal, hein, mais je pense qu'il y a moyen que j'arrive à la gérer. C'est juste que. Je sais pas, faut que. Je trouve comment tourner ou quoi, tu vois. Parce que le problème, c'est qu'il y a des montées et des descentes, et comme je t'avais dit, quand tu montes, ça te ralentit de trop, tu vois. Les zombies, ils arrivent à te toucher après. T'as vu, c'est courir vite, trop facile des esquives. Mais après, quand t'es ralenti comme ça, chaud. Après, ça c'est bien, mais ça fait grand temps. Je sais pas si j'irai loin. Hein. Est-ce que je peux prendre le crâne là? Magnifique. T'as vu, vous voulez plus tirer dans l'eau? Tu veux plus tirer dans l'eau avec ta lignée? Eh, ça, je savais pas ça. Et quand je vais dans l'eau? Ah si je peux, je vois pas qu'il y a pas. Ah j'ai pas vu, c'est rien. De toute façon la première map, il y a pas de sa bonus. Je vais mourir. Allez, je te prends les zombies. C'est pas évident, hein.
Ouais, ça travaille bien. Je comprends pas, d'aller boire. Oh, y'a un chien. Et un poulet. Ce mec là, c'est Tam. Mes entraînements ont porté ses fruits. Ils ont réussi à me péter neuf quand même. C'est Ocean, eux. Il me faut le truc. Il me faut le truc. Oh oui. Il y avait le jeune Padawan. Exact. Je vais me coucher moi aussi, je suis fatigué. Pas de problème, si t'as. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci de. Merci pour tout vrai. Merci de m'avoir soutenu. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bonne soirée pour toi. Bonne nuit, repose-toi bien et à bientôt. Putain de raps. Sont des connards ces raps. Quoi? 3 vies, ouais, j'ai pas vu enfin. Ah, j'ai jamais eu l'autre jour. En fait, le problème, c'est que je l'appelle. Ça, je pense, c'est le problème. Faudrait que j'aille courir vite. Faire deux autres manches, je vais courir vite, c'est pas possible. Donc, tu m'as dit, ça. La poule est faite pour trop grand-pan, mais. C'est pas jouable. Vas-y, pompe, il me casse pas le coude. Allez! Ah, ça me donne des vies. Faut juste pas que les ongles les défoncent. Ouais, pourquoi je pense que c'est une arme de merde. Tu vois combien de millions là? 11 millions de points, je viens de dire.
Je sais direct, mais j'ai fait Snap, j'ai envoyé sur Messenger. Après, j'étais parti manger sans les goûts. Bah là, j'ai réussi à battre le gorille, j'ai réussi à battre. Là, bah je continue pour faire un record quoi. Le problème, c'est que pour faire un bon record, il aurait fallu que je prenne pour y vite. Là, j'ai la poule. Donc, ça craint. Parce que je peux pas retourner à la salle du jugement pour prendre un autre atout. Chier. Il n'y a pas un crâne quoi. Ah si là il y a un. Bon, ce sera pas suffisant. Une vie, dernière vie. Non, mais celle-là et une autre. Ah ouais, le rap, c'est un putain de rap de merde, ça c'est cool. Tout game pour le gorille, à un poil, de tuer les 70 000. Ouais, mais ça fait longtemps que je suis à 69. Tu perds souvent des vies à cause des raps, ouais, tout le temps quoi. Le one shot c'est la bête mort du jeu quoi. Je pense que je vais pas aller très loin. Là, par exemple, il y a un raps qui tombe, elle va me tuer, c'est une moine en fait. Un raps, et comme je suis en première personne, je devrais pas apparaître. Mais bon, là j'ai un forbid, il faut absolument que je m'en serve. Pour ça, je prends le risque. Quand je suis en première personne, ça double le foie. C'est trop éternellement, bien sûr. Là, je suis en fait 4. Ouais, là, il y a un raps là, il y a de la chance qu'il n'est pas apparu quand je suis en première personne.
Non mais j'appuie, gros, j'appuie. On va faire des choses par rien. C'est pas légal ça. Il a appuyé sur mon flash, il a pas. Il a pas pris en compte. Le temps des manches, c'est ouf, c'est ça. Attends, j'ai 2 minutes. Facile. Wesh, agent Lopez, ça va quoi? Je viens de son live photo. Good game à toi, gros. Good game à toi pour ton activité sur Fortnite. Hallucinant, gros. Hallucinant. Merci du soutien également. Avec plaisir, gros. Je m'abonne à toutes les chaînes qui font du Fortnite, actualité, parce que ça m'intéresse. Bon, maintenant, je regarde plus trop, tu vois. Parce que j'ai un peu un blackout. Non, burnout. Je m'éloigne un peu de YouTube maintenant. Parce que Fortnite, ça m'intéresse plus trop. Il y a plus trop de jeux qui m'intéressent. Mais je reviendrai en force plus tard. On est mes heures perdues, tu m'étonnes, gros. Ah ouais, j'essaie de suivre la cadence, tu vois, j'essaie, mais bon, trop Fortnite, trop. En fait, Call of c'est pas assez, tu vois. Call of il est là, tu vois. Fortnite, il est là, tu vois. Mais y'a pas juste milieu, gros. Fortnite, c'est. Faut rester connecté sur le PC 24 sur 24 à chaque fois, y'a des nouveaux trucs à dire, des trucs. Attends, vas-y, j'ai fumé en même temps. Fortnite, franchement, il est au top. C'est pour un youtubeur comme toi et moi, tu vois. Il est au top, parce que le contenu, on envoie. Mais après, c'est du boulot, gros. Moi, de base, je suis joueur zombie, tu vois, Call of. Tu vois, c'est bien, tu vois. On va dire, dis que tous les 3 mois. Il y a une marque qui sort, c'est 2 semaines de rush, toi. Du rush. Là sur Fortnite, c'est du rush toute la semaine, le week-end, tout le temps. Comment à la force, ça s'inscrit. Maintenant, je fais que les défis, tu vois. Je fais les défis et peut-être qu'un jour, je reprendrai la hype pour commencer. Je vois de quoi tu parles. On a vite fait d'oublier de vivre. Mais c'est ça, gros, c'est ça. Moi, j'ai ma femme et tout. C'est pas possible, quoi. Fortnite, a été étudié pour. Franchement, mais c'est bien, tu vois. Franchement, c'est bien. Mais bon. J'ai pas suivi. Même les défis, franchement, il y a trop. Mais c'est bien, tu vois, ça donne une activité au jeu. Tu vois, Call of, les gens, ils ont laissé tomber parce qu'il y a pas d'activité, quoi. Je viens de me rendre compte, cette année, 2108 heures sur Fortnite, soit 87 jours, H24. Ah, mais t'es au top, faut mélanger, t'as raison. Exact. Au début, je voulais parler sur Fortnite. Et tout le monde y allait, tu vois. C'était. On parlait de Fortnite à gauche, Fortnite à droite. Tout le monde y parlait de Fortnite. Alors j'ai commencé à aller sur Fortnite, j'ai fait des petits tutos, des défis, tu vois. Et je vois les vues, boum, je vois les vues, elles explosent, gros. Alors je me suis dit, oula, ça peut me servir de tremplin et tout, donc je me suis lancé. Après, ben, voilà, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont lancées, beaucoup trop de concurrence, fallait trop taquer. Moi, j'avais pas le temps de trop taquer comme ça. Donc, ben, voilà. En plus, ce qui m'a foutu de somme, c'est que MW, il n'y a pas eu de zombies, donc il n'y a pas eu de trucs que j'aime. Là, le seul truc que j'aime, c'est Final Fantasy qui va sortir en mars. Alors là, je vais faire des lives, je vais sûrement faire des petites vidéos astuces, comment faire ci, comment faire ça. Tu vois. Mais sinon, bah, je reviendrai vraiment sur la PlayStation 4, la PlayStation 5, fin d'année, franchement, sauf s'il y a des jeux qui m'intéressent avant. Et là, je pense que je vais essayer de tryhard, sauf si j'ai trouvé un boulot. Et que, bah voilà, si je trouve un boulot, je serai pas tryhard de ouf, mais je ferai quand même des petits lives, des petits tutos, quand j'aurai le temps. Même histoire que j'ai commencé en janvier 2019, l'année, alors c'est vrai, il n'y a pas de début ni de fin, on dirait. Et ouais, être de concurrence, c'est un vrai taf. 8 heures par jour minimum. Ouais, en plus, toi, tu te lèves tôt. Moi, je suis un lève-tard, gros. Moi, je suis un vache, gros. Je me lève super tard. Toi, j'ai vu que tu te lèves tôt et tout. Maintenant, je me lève un peu plus tôt parce que je dois passer mon permis, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois chercher du taf. Je dois assister à des ateliers pour les. Enfin, bref. Mais voilà, tu vois. Ça n'est pas beaucoup de temps parfois. Bon, en fait, je cherche du taf en préparateur de commandes, carriste, agroalimentaire. Mais là, je vais pas opérer de la main gauche. Parce que comme j'étais sur YouTube il y a 2 ans, je me suis pété la main. Je crois que c'était une entorse ou quoi, tu vois. Je crois que c'était foulé, tu vois. Et je vois, j'ai pas été à l'hôpital, j'ai pas fait de radio, j'ai rien fait. Et là, bah, quand je commence à porter des couilles, bah, je commence à avoir mal à la main. Donc j'ai fait de radio, et apparemment, bah, c'est cassé, faut faire opération. Mais... Donc ça sert à rien que je trouve du taf pour l'instant. Mais bon, je vais aller travailler du côté du Luxembourg, là-bas c'est 2500. Ici en Belgique, c'est 1006. Donc là, j'ai gagné 900 balles en plus. Je suis moins taxé. Donc j'ai déménagé vers Arlon, travailler vers Luxembourg. Enfin voilà, ça, c'est mon objectif. Mais bon, putain, ça me saoule parce que j'étais vraiment fond dans YouTube, 5 ans de YouTube. J'ai vraiment percé, tu vois, genre avoir 1000 euros par mois. J'ai jamais réussi, ça m'a saoulé. J'aurais tellement voulu vivre dans ma passion. Bon, après, je l'espère pas, ça arrivera plus tard, mais bon. Faut que je pense à mon plan B. Ouais, je connais le processus, ah, carrément. Tu nies, Call of 4. Call of Duty 4 zombies en fait. M'a déçu, ouf. T'arrêtes pas, tu montes pas vite. T'arrêtes parce que tu montes pas vite. J'arrête parce que 5 ans, je m'étais donné 5 ans, et là, j'ai passé les 5 ans, donc j'ai obligé d'arrêter, tu vois. Enfin, mettre en place mon plan B, tu vois. Mon avenir professionnel. Alors, je te dis pas, mon CV, il commence, ça 5 à 6 ans d'inactivité. Donc, quand je vais aller me présenter pour un patron, je lui dis, bon, ben, il va me demander, ouais, vous avez fait quoi pendant 5-6 ans? Bah, j'étais sur YouTube, tu vois. C'est trop malaisant, gros, tu vois. J'ai rien fait, tu vois. Donc, c'est chaud, patate. Donc, voilà, tu vois. Mais bon, je me dis, allez, tu vois. Je veux dire que je me suis occupé de quelque chose. Voilà. Non, j'ai fait un SMIC. Le maximum que j'ai fait, c'était 700. 700 en un mois, 750, j'avais fait 1 million de vues, c'est tout. Bah, ouais, derrière, fou, c'est gênant, tu m'étonnes. J'ai fait à l'envers, j'ai bossé 10 ans. Et là que commence YouTube, mes parcours, un peu pareil, galère en termes de taf. Ah, moi aussi, je travaillais au début, mais j'ai jamais problème à taffer. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer de lancer sur YouTube. Puis ça marchait, tu vois. Puis je faisais genre 1€, puis 2€, puis 5, 10. Genre, putain, ça gère, tu vois. Alors j'ai mis toute mon énergie pendant 5 ans. Et j'ai une vidéo, justement, où j'en parle. C'est ma vidéo, si tu veux aller voir. C'est tu tapes Sois cool, mec, 5K, 2 ans sur YouTube. La vidéo, elle dure 10-15 minutes. Et justement, je dis dans cette vidéo que je me laisse encore 3 ans.
Et sinon, de toute façon, bah, j'arrive pas, il va falloir que je fasse mon avenir professionnel, là, que j'entame mon avenir professionnel. Et c'est ce qui se passe, donc j'ai pas le choix. Parce que ma femme, elle finit mes études l'année prochaine, enfin dans un an et demi. Donc elle va toucher plein d'études parce qu'elle a fait plein d'études. Donc voilà, faut pas que je sois un boulot pour elle, donc faut que j'avance aussi. Après, on met plein de côtés, on va s'acheter des immeubles, quoi. Puis on vivra nos. On essaiera d'être libre financièrement en 10 ans, s'il y a moyen, tu vois. Moi, je suis fonctionnaire, je suis derrière les bureaux. Mais c'est bien d'être derrière les bureaux. Au moins, bon, après, c'est une fatigue mentale. Mais bon, c'est quand même bien. Moi, je suis physique, je travaille dans le bâtiment et tout. Et quand j'entrais, j'étais fatigué. Je regardais un épisode sur Netflix. Enfin, il y a pas encore Netflix à ce moment-là, mais bon, je regardais un truc téléchargé. Je m'entendais devant le truc, quoi. Donc, voilà, tu vois. Que quand j'étais sur YouTube, bah, j'avais vraiment pas mal de temps à donner à ma femme, donc ça c'était cool. J'ai renforcé mon couple grâce à ça. C'est vrai que 60K, 70K, 50, c'est pas beaucoup. Exact, exact. Le salaire, surtout dans la fonction publique, c'est faible. Ouais, c'est vrai. Ouais, je continue ma part. Donc, là, je vais pas répondre. Pendant ma 10 minutes, parce que c'est 10 minutes de hardcore. Et moi, j'ai 2 minutes. Là, j'ai battu Gori. J'ai réussi mon objectif. Je défonce sa race. Là, il m'a plus pour bloqué là. Ah, voilà. Alors, une 4 fois. Ils ont mangé mon œuf. En tout cas, Jean Lopez continue comme ça. Je pense que toi, t'as moins, y a trop moins qu'il perd ça. Je crois en un an, un an et demi, t'as commencé vraiment, ouais, 2019. Donc ça va faire un an, ça va être un an. Donc continue parce que on va du beau, quoi. C'est quand même une bonne référence. Hein. Après, il y a aussi Lazerzoui qui gère aussi bien, n'est pas trop actif. Et il y a le vieux père, lui, insane. Il parle même pas dans cette vidéo, mais là, les vues et là, le contenu et là, comment dire, l'évolution. Je pense que aussi, pas aller loin. Le taquet aussi, hein, pour tout, pour la musique. Après, ce qui est fort important, si une fois tu le fais, je sais pas si le vieux père le fait, c'est avoir des réseaux sociaux. Moi, j'ai jamais été pour réseaux sociaux et c'est super important. Ouais, c'est super important. Moi, j'ai vu sur Facebook, Insta, Snapchat, tu fais même des stories YouTube, donc c'est cool. Toi. Oh, ma petite poule, elle a fait des ondes. On sort pas qu'une bouffe. Vous avez. Vous revenez. Ça craint les notifs là. C'est bon, fini. Ah, il y a moins de 10 minutes, hein. Ah, je crois. Elle a oublié les zombies là. Ouais, je suis. On a mis le bloc dans l'eau. Elle est là. C'est à droite. Là. Alors, tout. En tout cas, bon courage si jamais. Rendez-vous sur les réseaux sociaux. Si t'as besoin, etc. Parce que je dois y aller. Bonne soirée, lâche rien. Ici, on irait là. Merci à la journée, ça fait plaisir. Quoi. Merci de ton passage, en tout cas, c'est cool. Je suis aussi fonctionnaire en espace vert, mais je taffe dehors, je préfère. Ok, fonctionnaire en espace vert. Je crois que c'est je vois un peu, c'est pas le boulot, je pense. Moi, je supporte mal le trop chaud, trop froid. Du coup, j'aimerais pas travailler dehors. Moi, je supporte le chaud, mais je supporte pas le froid. Oui, le salaire est faible, mais tu te bousilles pas trop la santé. Exactement, tu vois. Faut penser à ça, tu vois, c'est très important parce que moi je travaille en plafonnage, gros. Les poumons et tout à cause du plâtre et tout. Puis les mains dans le froid en train de nettoyer les matériaux. Les crevasses, c'est super bien. Le dos, les jambes, froid. Tu te casses, hein, tu tiens 20 ans, 30 ans et après t'es cassé, t'es parfait. Bah, on profite pas, t'es là dans le fauteuil, t'as rien pas de lever, wesh. Ouais, après aussi, ta journée pour le dos, c'est pas le top, mais je me plains pas non plus. Les yeux derrière l'écran, en tendinite, au doigt, c'est la plus grosse contrainte. Exactement, après tendinite, si t'es youtubeur, tu fais beaucoup plus de vidéos que tu ne joues, donc ça va encore. Les yeux, les écrans sont assez. Moi j'ai des bons écrans, tu vois, qui errent bien, ça use pas trop les yeux, tu vois. Les écrans sont adaptés pour justement pas trop te baiser tes yeux. Et après, t'as des lunettes comme ça. C'était des lunettes Dunard. Et ça, c'est bien parce que quand tu les mets, t'as un petit zoom. Hop. Ah, t'as un petit zoom sur l'écran, genre 1x2, t'as un petit zoom. Et les lumières blanches, elles sont atténuées. Donc, franchement, c'est bien, ça fait reposer tes yeux. Et je pense que je vais les laisser.
le jeu à l'aircraft, c'est 100 fois. Ouais, mais trop gros. Le jeu, c'est de l'adrénaline H24. Les intempéries, ça marche comment quand tu travailles dehors? Enfin, ça dépend dans quelle société, dans quel travail et tout. Les réponses fin de manche, c'est ça, merci, H24. Ça dépend, tu vois. Quand... Dans quelle société, dans quel pays, ça dépend tout ça. Par exemple, au Luxembourg, il n'y a pas d'intempéries. Parce qu'ils donnent des ils ont du matos, justement, tu puisses travailler dehors en toutes circonstances. Donc ça dépend. Comme t'es fonctionnaire, il n'y a pas d'intempéries à part pour les canicules. Ouais, les canicules, ça, c'est obligatoirement intempéries. À moins que le type t'amène un réfrigérateur juste à côté de toi, quoi. Mais ça, je pense que ça existe pas encore. On commence plus tôt, ou du coup, on finit plus tôt. Ah, c'est ça. Oh là, Lopez. C'est normal, je peux pas. Attends. Ah, mais Danny Bourg, tout à l'heure, il est là, il parle, mais je comprends rien de ce qu'il dit. Le cannabis, c'est légal en Belgique. Non, c'est pas légal. C'est dépénalisé. Si tu veux, mais tu vas pas en prison. Mais en France, c'est différent. C'est pénalisé direct. Mais en Belgique, c'est dépénalisé. Mais c'est pas pour ça que tu peux vendre ou tu peux cultiver une culture par personne, par adulte, si t'as aucun enfant chez toi. Et c'est une culture, mais il y a des règles. C'est trop contradictoire parce que genre, tu peux avoir 50 grammes, mais ta plante, elle fait 250 grammes. Donc tu fais quoi? Tu vois, c'est des lois, mais c'est trop compliqué. C'est impossible. Tu vois. Après, le flic, il vient, il va prendre ta plante parce que t'as 250 grammes et tu dois en faire que 50. Ouais, il va pas dire à ta plante, bah, si tu fais que 50 grammes, tu vois. Donc il va prendre ta plante et boum, pour dupliquer, alors mec, c'était tu as un compte niveau 1000 pour moi pour dupliquer. Non, je n'ai plus le poteau. Je l'avais donné, quelqu'un l'a pris, je sais pas ce qu'il en a fait. Voilà. Ouais, c'est reparti. Non, mais je l'avais pas vu ce poteau de merde. En plus, c'est le truc qui me prend tout une fois. Voilà. Oh là là là. Alors, mec, tu veux, hein, s'il te plaît, poteau, réponds, tu peux me faire une duplication, s'il te plaît, ça fait 6 mois que. Si moi j'ai pas pu jouer. Non, j'ai fait pas de duplication, alors c'est là. Désolé, poteau. J'en fais pas. Hein. J'ai le poteau qui me suit. Je vais mettre un tour d'avance sur l'épaule. Oh oui, j'ai tout d'un coup, mon gars. Ça, c'était déjà moi. J'ai pas vu.
Oh, cette amarcie, je l'ai gérée. Rien à dire. C'est pas grave. Oula, je suis dans la team map, c'est ça que je veux. Ah non, ça va, c'est ça. Ah non, j'ai cru que j'étais déjà dans la team map. Timo Harami. Je vais essayer de traduire ce que tu me dis en fait. Traduction. Ça sent, tu m'insultes depuis tout à l'heure. Ah, ça veut rien dire, wesh. Attends, je vais essayer de traduire un autre truc. Attends. Détail. Bengali. C'est du Bengali. Mais en français, c'est la même chose. Je vais traduire une autre phrase. Bah. Le traducteur, il va pas traduire. Il arrive, je vais pisser. Je vais essayer de Ok. Alors, faudrait que tu rachètes un casque PS4. Ah, faudrait que je rachète un casque PS4, lequel vous conseillerez. Demande un ami, un truc du genre. Demande un ami, un truc du genre. Alors moi j'ai acheté un Turtle Beach, non c'est pas un Turtle Beach. C'est un Astro Gaming A40, donc je le note. Astro Gaming A40, avec l'exemple. L'exemple, c'est comme ça, l'exemple. Je sais pas, je pense que ça s'écrit comme ça, mais c'est le meilleur casque. Tu trouveras pas mieux. Ah, c'est mon avis personnel, mais franchement, c'est le... Bon, après, moi, je l'ai acheté 250 il y a un an, je crois, donc... Donc là, peut-être qu'il est un peu moins cher, peut-être 200. Mais c'est vraiment le sort maintenant. Alors là, avec les vaches, ça va être galère. Pour moi, il n'y a pas de vache, c'est le mec qui n'a pas de vache. Hein. Ah, je crois qu'il n'y a pas de vache. Non, mais parce que c'est possible. Hein. J'ai l'impression de jouer avec la vache J'avais pas vu ce putain de fantôme. C'est un visage.
chier. La ferme à poule. Non. Oh non, j'avais pas vu. J'avais pas vu qu'il pouvait me tuer. J'ai utilisé mon flash. Comme flash. Oh là 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 là. Ça devient compliqué, Axe. Ça devient compliqué. Voilà. C'est bien.
De plus en plus dur, va. Yo Romain, Romain Paquet, ça va pas. Là c'est pas possible, bon, je suis en solo, je suis en train de faire ma meilleure game. Ok, je me suis à vous remercier Romain Paquet, c'est quoi ton record de manche? Ah là, je suis en train de l'exploser là. En solo, je crois que j'ai arrêté aussi loin. J'ai la manche 70. Ouf, la notification, mauvais pari, mauvais pari. Non, putain de rups! Sérieux? Sérieux, hein? C'est sérieux, c'est. Salut le sauvage, ça va et toi? Putain mon gars. Faut avoir des nerfs d'acier mon gars pour aller jusque là. Ça fait 5 heures que je suis sur la partie. Hein. Mais là, je sais pas si je vais tenir. Parce que ça va devenir de plus en plus chaud. Là, ça m'apprend rond. Là, ça va. Mais la prochaine, la toute petite, je sais pas si je vais y arriver. Je vais. Là, je fais une petite pause. Donc, si vous voulez parler, c'est le moment. Yo, salut, sois cool. Yo, carge. Carnage, c'est un carnage. Le zombie ça prend toujours du temps. Exact, exact. Mais ça va, tu vois. 4. Avec la poule, si tu rushes bien, bon, sans répondre aux commentaires et tout. En 2h30, tu peux le faire. Avec la poule. Battre le bruit, je crois. Moi, je l'ai fait en 3h30, 3h35, je crois. Bon, je réponds au tout. Et puis, je suis mort à la map des Chinois, là. Avec les gorilles. Et la map en rond juste après. Donc, j'ai perdu du temps parce que, quand tu meurs, tu perds ton foie. Je vais mettre le chauffage, c'est pas mal.
comme quand tu perds, quand tu perds ton choix, mais t'as moins de bonus. Donc c'est les manches qui passent moins vite parce que les bonus ça fait deux fois. C'est deux fois passer les manches. Quoi le sauvage, ça va quoi, bonne année toi. Bonne année, bonne santé, meilleur vœu, plein de bonheur, plein de réussite. On a jusqu'à 1er février pour le souhaiter. 1er février après, c'est fini, tu pourras plus souhaiter bonne année. Delibor, Delibor, Dalibor, je ne serai pas très con, je ne comprends pas la langue. Dalibor, I am only speak French. I am Frenchy. Ça va bien, merci, bonne année à toi. Et merci, gros, merci. Qu'est-ce que tu fais de beau? 2h30 du matin, qu'est-ce que tu fais? Ça me rappelle des moments où je commençais du zombie de soir, et quand j'avais fini la partie, il ne me restait plus qu'une heure avant d'embaucher. Je m'appelle Isaac. Moi je m'appelle Frankie. Ou soit cool mec, équilibre, soit cool mec. Ou soit cool aussi, ouais, soit cool, ça c'est mon pseudo en fait. Bon, j'ai regardé s'il me reste pas un petit truc à boire. Il me reste de la Captain Morgana, mais j'ai pas de recoupe. On va boire un petit peu pur. C'est un petit fond de verre. Après c'est pas bien marrant quand même. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Et la modération alors? Quoi la modération? C'est rien, le type parle pas ça. Parle pas français, c'est pas grave. Parle ban, tu vois. J'essaie de communiquer. Très YouTube avant de dormir. Ah, d'accord. Là, c'est sympa de passer me dire bonsoir. Là, j'ai réussi à niquer le gouri en solo. J'ai fait le taf. Boire avec modération. Bah, franchement, t'as vu. J'ai bu la fin de ma bouteille. Et tu vois, je parle bien, tu vois, je suis pas défoncé. J'ai pas bu beaucoup en réalité. J'ai bu sur du long terme. Trois verres, des petits verres. Oh, calme quoi. Salut sur cool, tu vas bien, une bonne année, une bonne santé à toi, plus un like poteau, merci, merci Kevin, merci à tous ceux qui like, bonne année à toi Kevin. C'est plaisir de voir du monde comme ça, débarquer, 2h30. Je couche tard, les insomniaques. Ti un bon. Ti un bon. Tu peux m'ajouter un ami. Là je sais pas gros, je peux pas ajouter. Le live fait plaisir depuis le temps, c'est vrai, ça va, ça t'es curieux. Et toi tu fais quoi en fait Scrat l'écureuil? Parce que t'es là depuis le début du live, genre, ouais depuis le début gros. T'es un ouf mon gars, ça fait plaisir gros, franchement. C'est cool de voir des gens, des abonnés comme ça qui viennent, que je connais en plus hein, depuis longtemps je fais connaître Scrat. Qui vient et qui reste tout le live, ça fait plaisir. En plus je suppose que tu restes pas pour le jeu, tu restes pour moi donc c'est encore plus cool quoi. Tu me laisses pas tout seul dans mon délire tu vois, mon délire de dorse. Au moins tu remarques, ah je suis en vacances tranquille. T'es en vacances. Enfin moi aussi en vacances, t'es dans les écoles supérieures quoi. Logiquement les... Les écoliers là ils ont colle non? Il y a des vacances là hein pour les écoliers. Je profite, t'as des raisons. On a qu'une vie, il faut profiter. Moi aussi je profite. Je profite de pas travailler et de pouvoir geeker. Eh bon, toute bonne chose à l'état. En février je crois que c'est des vacances scolaires. Ah ouais, donc c'est pas maintenant. Ça va, tu me rassures parce que moi, jeudi, je dois aller au bowling toi. Et le bowling, il fait une promotion. Tu payes 7€ par personne et tu peux faire autant de parties que tu veux. Mais cette promotion elle ne fonctionne que si ce n'est pas les vacances scolaires tu vois. Donc si c'est les vacances scolaires, ben j'irai pas au bowling tu vois. Donc là tu me rassures, ça veut dire que c'est pas les vacances scolaires. Il y a des personnes qui ont congé parce que ben, ouais, ils ont congé, c'est exceptionnel. Mais tant que c'est pas les vacances scolaires, ben il y a la promotion. Sinon ben c'est je crois 7€ la première partie, puis 4€ la deuxième, 4€ la troisième, etc. Donc ça revient cher. Là, tu payes 7€, t'arrives à 4€, tu repars à 1h du matin, ça fait 100 parties. En plus moi je vais bien bowling. Donc c'est cool toi, 7€ pour online, enfin illimité. Bon on va goûter du Captain Morgan. Vraiment ça devrait passer, c'est toujours ça devrait passer. Ça va, franchement ça va, c'est bien caramélisé. Ça passe crème. C'est vacances pour Noël. Les jours de l'an, les cours ont repris. Bon, le 6, hein, je crois, le 6 ou le 7, ça a repris. Bon. Désolé, là, je vais pas répondre, je vais me concentrer. Il m'a touché, c'est mon foiré de chien. On peut dire que je démarre mal, là, la manche. Allez, mes boules, elles ont pas fonctionné. Ah. Ah oui, ça c'est bon ça. Ah la tienne, merci poteau.
En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et un très bon Noël et que vous avez eu les cadeaux que vous espériez. Merde, j'ai pris le pistolet à l'envers. Les raps. Ah. Salut. C'est chaud quand même, j'ai perdu 2 ou 3 vies. Hein. Si je fais tout le temps ça à chaque manche, ça va être chaud. Salut Swaku, ça va, salut Shagui. Ça va tranquille ou quoi? Je dois bouger, rejoindre des potos. Bonne continuation à la prochaine GG pour le gorille et merci pour le live et les vidéos. Bonne soirée à tous. Peace! Merci Scott, merci à toi d'être resté jusqu'à la fin. Et jusqu'au bout du gorille, franchement, t'as tué. Encore merci pour le GG et prends soin de toi. Ciao. Depuis le temps, tu te rappelles de la M-Victory? Oui, carnage. Oui, je me rappelle de la M-Victory avec Jedi. C'est plus. Mais oui, je me rappelle de lui. Je me rappelle de la team. Non, non. Merde, je vais prendre d'autres verres. Ça devient très très chaud pour remonter dans les foies. T'inquiète, je regarderai la diff, pas de problème, Bodo. Tu verras où j'en ai, jusqu'où j'étais. Bonne soirée à toi, Poto. Merci, Shaggy. Bonne soirée à toi aussi, merci des passes, ça va être bien. Ah là, y'a moins que je récupère des fois là. Merci, spam, tous les potos électriques, wesh. C'est de ma gueule, quoi. Oh là là, j'ai pas pu récupérer des fois, donc je meurs comme un bébé, c'est pas possible ça. Non, bonne année 2020. Ah ouais, j'ai quoi? Bonne année 2019? Je me suis peut-être trompé. C'est possible. Mais ouais, bonne année 2020, mec. Ah ouais, je vais faire un petit fois là.
Je suis en x4, c'est pas mal. On a du tout même. x5. C'est 3-9. Merci. J'ai plus terre, c'était ouf. Faut que je reviens presque tout. C'est important, il y a des bonus. C'est très important. Je suis pas sûr. En plus, je le savais, j'ai regardé, je l'ai vu là, la flèche, mais je l'ai oublié en ramassant mes jouets. C'est un vrai. Mieux de sûr, hein. Faut mieux de sûr. Ah bah c'était pas son là. Non putain de mine. Je suis dégoûté, je suis dégoûté. J'étais en x5. Ça me fout de ça. Bientôt 70k. Bien à toi. Si tu penses à plus, tu gères de ouf. Ah, merci pote pour le soutien. Et merci pour les encouragements. Ça fait zizir, ça fait zizir. Salut, salut, je m'appelle Cindy. Salut, salut, je m'appelle Cindy. Allez, prends le truc. C'est pas élégant. Non, putain, il arrive à m'exploser mes yeux. Mais laissez mes yeux tranquilles, putain. Le tas zombie m'empêche d'avancer. Je crois que c'était sur la gauche. Je vais vérifier parce que c'est un truc important. Attends, je lis les commentaires après, vous ne tracassez pas. Je vais remettre le chauffage. Alors, tu joues plus avec W. Non, non, je joue plus avec W, jamais. Ça fait longtemps. Alors, je pense que c'est sur la gauche. Ah non, c'est sur la droite. Ok, sur la droite. Je pensais que c'était la gauche. Bon, j'espère que là, j'ai la salle bonus. Hein. J'espère, on espère. Je suis en x4, ça pourrait augmenter une fois. Ah bah là. Peut-être la prochaine, maintenant, il n'y aura pas. Hein. On n'aura pas ce que c'est bien. Je l'ai pas eu.
Ouais, il me faut. Il me faut ces rapaches. Merci. Cette notification, faut que je l'enlève, je prends. Oh oui, parfait. Faut juste pas que je meurs. Allez, donne-moi des crânes. Donne-moi des crânes. Magnifique. Oh, le chien m'a touché. Ouf. Putain de raps de merde, casse les couilles, hein. Putain, ça a abusé ces raps, hein. Même un pistolet laser, ça les tue pas, wesh. Il me faut tes âmes, ces putains de raps. Un deck, leur tête, chelou. C'est pas normal. Tout ce qui se passe. Regarde, il y a une mine, elle m'a chopé. Bah non, voilà. On sait jamais avec ces mines, hein. Regarde, un raps, là, boum. On va absolument les tuer direct, hein. J'ai pas le temps de niaiser. Je suis à 18 millions de points, les mecs. Attends, j'y vais comme après. Hein. J'ai une équipe de manche. Nickel. Bon, raps. Cool, voilà. Dans ces pièces. J'en ai marre. Je suis trois fois dans cette manche, c'est quoi cette histoire? Non, 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 donne-moi ça, putain! J'aurais dû utiliser là-dedans. Ça, c'est des réflexes qu'il faut apprendre. Elle est pas si vite cette manche, je trouve. Mange 80 les mecs. Ah, pour quand la team pro? Bah j'en ai gros. Yo, soit cool, ça fait longtemps le live. Yo, Disky, il est tranquille quoi. Disky, je vous pourrais de la with Sky. Captain Britain. Bonne année Disky. Bon là, je sais pas si je vais réussir à survivre. C'est une très 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 petite map. Ah non, c'est celle-là. Ah non, c'est pire ça, j'arrive jamais. Je suis en PLS. Je suis en PLS. Putain. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette putain de map? Ah, un peu de mode ralenti là. Ça ferait pas de mal. Ça fait pas de mal. Fou. C'est inévitable. Franchement, si je passe cette manche, je suis un champion. Oh, bien. Alors, si je me donne des trucs comme ça, ça va. Vas-y, bah lui, tu rigoles quoi. Ah ouais, en plus ça a bouffé mon œuf. Je venais justement le protéger et il a réussi à le bouffer. Mon ami à toi aussi, Captain Borgan, pour ça. Ouais, en plus je le vois pur parce que j'ai plus de recours. Et franchement, bien caramélisé, ça va se calmer, ça va tout seul. C'est cool, franchement c'est cool. Non, ils m'ont bloqué, c'est tranquille. Ah oui, ça me donne des fois ça. Quoi, mais y'a personne, wesh, arrêtez. Voilà, j'ai 1x5. Maintenant, à moi de pas mourir. J'ai réussi à
réussi à passer. Ah non, ça va venir. Je crois que j'ai réussi. Je crois que j'ai réussi à passer dans ma première manche. Hein. Faut juste que je teste ce truc là. Ah, parfait. Ah merde, je me suis rebloqué. Non, sinon ça passe. Là, j'ai l'erreur. Merde. C'est quoi, t'es à vous? Ah oui. Pour les derniers zombies. Par gauche. Ouh. GG, merci Maxime, chirata. C'est hyper compliqué les Ops Arcade 2, on se... Ouais, ouais, carrément, bro. Carrément, mais c'est tellement jouissif, bro. C'est tellement intense. Là, on dirait pas. Parce que là, je commence bien. Tu vois, quand tu bats le gore une fois, après, c'est vraiment du... de l'endurance, quoi. Donc là, on dirait que c'est facile. Mais putain, quand tu fais une traite, franchement, j'avais la pression. En plus, c'est la première fois que je bats le gore en solo depuis moins des années, tu vois. J'avais jamais battu en solo depuis moins 3 ans, tu vois. Et là, putain, j'avais la pression pendant tout le live, j'étais là. Je suis en dédouche, je suis pas tâte. What? T'es moins 80? Ouais, ouais, j'ai déjà battu le gorille là, je vais faire un tour là. Ouais, Shrey, plus un live, merci à Jojo, fait son show. C'est un beau fluff. Si j'arrive à passer ce monde, c'est juste énorme. Mais c'est quand même un peu imparti. Hein. 5 vies, pas beaucoup de flash, pas beaucoup de bombes. Un x2 seulement. J'ai des flashs. Faites les paris. Est-ce que je vais réussir à passer le monde ou pas? C'est beau jeu. Il me faut la vie. Il me faut la vie. Oui, tu vas réussir, j'espère. Je vais pas. Non, je vois pas ton nombre de vie, mon écran est mal cadré. Mais je crois en toi déjà être arrivé. Ah là, c'est énorme, j'ai jamais réussi à battre le bruit, moi. Merci Sky. Alors, mon nombre de vie est à. Ah, j'ai trouvé la salle bonus pour une première personne. Je suis à 8. À 8 la vie. Ça, c'est juste énorme. Que je trouve la salle bonus pour une première personne, bah, c'est la chance. Hein. J'étais dans l'eau quand ça porte. Tu lèves depuis 21 heures, ouais, ouais, ça fait 6h30 que j'arrive. Hein. Sky. Ça se voit bien là. La Captain Morgana, franchement. Ça se voit tranquille plutôt.
Faudrait que j'arrive à aller de l'autre côté. Je crois que j'ai une voiture ici. Non. Allez, laisse-moi passer, laisse-moi passer. C'est bon, je suis passé. Voilà, voilà. Ok, Paul. En train de pondre. Elle a pondu. Elle a pondu. Mourir. Ne mangez pas mes œufs, mourir. Voilà, voilà. C'est ça que je veux. C'est exactement ça que je veux. En fois 6. Faut que je meurs. Oh oui, parfait. Là, je suis bien là, je suis vraiment bien. Faut juste pas que je meurs. Fois 6, 9 vies. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais 200 000 points, j'ai une vie supplémentaire. J'ai un bonus qui peut m'être très 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 utile. Ouais, c'est sûr là. C'est sûr que je vais le passer. C'est sûr et certain. Après, ça fait 6 heures que je live, mais j'ai recommencé la partie à partir de 45 minutes parce que j'étais tombé sur le joyau comme bonus. J'ai mal choisi ma pierre. C'est pas toujours évident de bien la distinguer. Donc j'ai dû recommencer parce que je pouvais pas. Tu vois, là j'ai mis un bonus, un squelette, c'était utile. Ils ont mis dessus, ça me laisse un peu un moment de répit un petit peu. Il faut absolument que j'aille le truc là. Absolument, voilà. Donc et en même temps, je réponds au chat et tout, chaque manche. Voilà, je prends un peu de temps, mais voilà, il faut essayer de charger. Faut que j'ai 45 minutes. Donc ça fait 6h35 à 45 parce que c'est 6h que je suis dans la game, presque. De game maintenant. Je fasse attention aux mines. C'est une première personne, ne les voit pas trop bien. Oh, c'était quoi ça? Ouh. Non, mais non, mais non, mais putain, s'il te plaît, un rampant, s'il te plaît, je veux un petit peu de respect quand même. Un petit peu. Non, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Ouh, ça passe. Ouh le chien, ouh le chien. Ouh le petit peu de tout toi, ça m'a mis. Ouh, non, j'ai pas ça, j'ai chancé, j'ai passé. Allez, c'est pas grave. 8, 8, 3, 3. On va défoncer tout ça, voilà, boum, on défonce tout ça. Elle explose, petite mine. Casse les couilles. Je passe ça. C'est quoi ça? Mais c'est un arrache. Un arrache. Mais oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est un arrache. Bien sûr. Quand même chaud, on peut faire ça un arrache. On va pas vérifier ça. Ah, ouais, voilà, comme ça, voilà, comme ça. On est déjà fini. Ça, je veux bien, mon gars. Ça, je veux bien. Ça me donne un putain de fois, ça. Oh oui, en plus, il y a plus de zombies, je peux ramasser tout. Dégage. Regardez-moi ce beau spectacle, un petit fois 5. On retourne en fois 5. 83, dernière manche, et puis après, je passe à une autre map. Ah, ouh. Est-ce qu'un, ça coule, quoi. Ça coule, pisse ça. Après non, on se paye par 20 0. Tu l'as depuis maintenant, ouais, tu l'as déjà battu exact. Pierre Caraf, Valkai, on se connaît, mais c'est probable. Et oui, lol. Ce coup là, je comprends pas. Donc, merci Valkai. C'est moi, je combien 83 maintenant, je crois. Je ne sais pas. 83, je crois. Yeah, pas mal, merci Chaotix. J'en sais un petit verre de rouge. Si vous voulez, avec une duration, moi je bois avec une duration. Non, je bois pas avec une. Je bois pas la fin non plus, ni quoi. On va faire un petit coup, donc je sais pas. Peut-être que je vais la finir. Si bien sûr, j'arrive à aller loin. Peut-être que, je ne sais pas. Bon, j'ai déjà battu le gorille à Valkai. Bon. C'est ça, Disky. Un deuxième tour. Ouh. C'est trop bon, Disky. Ah bah, GG à toi. Merci, Poto. Bonne année à vous, les mecs. 84, merci, Chagui. Je fais un petit peu. Hein. Franchement, le deuxième tour, je suis beaucoup plus relax. Hein. Vraiment beaucoup plus relax. Le premier tour, c'était chaud, gros. C'était chaud. J'étais là. Putain, panique et tout, je tremblais et tout. Tellement j'étais excité, tellement c'était prenant et tout. Vraiment l'adrénaline, tu vois. Et là, deuxième tour, c'est vraiment d'endurance. J'ai réussi à me calmer et tout, franchement, c'est cool. J'arrive à faire du bon taf. Première fois en 3 ans que je bats le gorille. C'est la deuxième fois dans ma vie que je le bats. Oui, à toi aussi, santé surtout et plein d'abonnés. Ah, merci, Valkai. Bonne santé à toi. Bonne santé, meilleurs vœux et plein de réussite en taf. Dans votre vie, à tout ça. Je suis perturbé, moi, c'est pas normal. Ça va. Bon, allez, c'est parti. Let's go. Concentration. Ça me fait tout de partout. Oh là là, le zombie qui vient par derrière et tout. Chaud patate. Oh, je suis en fois 6. J'ai gardé le moment. Ouf, ça passe. Ah, c'était toujours.
mon petit poulet, ma petite poule. Ah là, t'as une poule comme ça, ça peut être. 9, 10 fois 6. Moi j'ai vu comme ça. Je sais pas mon œuf. Putain, c'est chaud. Putain, mais chier. Ça devient trop chaud là, hein, c'est. Non, ça devient partout là, j'arrive pas. Allez, je passais, je passais. J'ai plus de flash. J'ai plus qu'une bombe, quoi. J'ai pris mes esquives qui comptent et je me suis pris un poteau. Parce que le poteau il passait pas. Ah oui, ah oui. Merde, ah oui. Ça, si je trouve une salle bonus très très rapidement. Attends, après c'est quoi? Oh, après c'est la toute petite map. Non, 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 ça va pas faire. Je pense que je passerai par la petite map. Hein. Le mec dans 30 minutes est venu. En bas. Attends, mais y'a pas la pyramide que je dois passer là? La pyramide elle va me donner deux bombes, deux vies. Donnez-moi un crâne, s'il vous plaît. Ah, y'en a en bas. Il me le faut. Alors, le flash qui est vraiment bon. Hein. Un autre crâne, un autre crâne. Parfait. Non, 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 s'il te plaît, j'ai perdu mon laser. Pourquoi? Pourquoi dans le haine? Ah, ça sent mal, ça sent mal. J'ai quand même réussi à passer du haut. Mais j'en ai perdu, j'ai tout perdu, franchement, j'ai perdu toutes mes vies, j'étais à 9, je suis à 3. J'ai tout perdu. 500, on a faim. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Bon, ça fait des gros messages. Merci bien, je finirai à 4h du mat. Ouais, parce que j'avais crédit. J'avais dit 4h, voire 6h, vraiment, si j'arrive à gérer. C'est trop chaud. Alors. Combien de manches max as-tu fait? Justement, là, je suis en train de battre mon record. Oui, à toi aussi. Santé, surtout, et plein de bonnes plans. Ouais, je me suis abonné à ta chaîne, ça c'est gentil, ça, Disky, de la part de Barkai. Merci, c'est gentil. Là, je joue à Call of Duty 3. Ok, sur quoi ça fait longtemps que je suis revenu. Je faisais des secrets des zombies avec tes vidéos. Ah, bah, ça fait plaisir, gros. Pour moi, j'ai été utile dans ma vie, frère. C'est cool. Sinon, c'est bien, tu vois, parce que j'ai quand même été utile pour plein de personnes quand même. S'il y a 70 000 abonnés presque qui sont abonnés à ma chaîne, c'est que j'ai été utile pour ces personnes. Sans compter les 30 000 qui sont désabonnés, mais bon, ça serait grave. Si je dois travailler, bah, j'aurais été utile pour une personne, quoi, pour un patron. Tu vois. Un patron, je vais rentrer l'oseille, au calme. Ah, j'ai été utile pour les jeunes, pour les passionnés. Donc, c'est cool, je suis assez satisfait. Même si j'ai pas buzzé, même si j'ai pas percé, je suis quand même fier de mon parcours. Surtout en zombie. Alors, moi aussi, lol. Mais moi aussi, lol. This guy, ton meilleur zombie, c'est lequel pour toi? Moi, BO1, BO3. Moi, le meilleur zombie, c'est BO2 aussi, il est très bien. Mais BO1, trop bon souvenir, trop. Comment on dit? Nostalgique. D'accord, moi j'ai kiffé en premier Transit et en deuxième Space Center. Ah oui, IW Space Center, voilà, le but de la fontaine. Alors franchement, Space IW, ils ont été dans l'innovation, mais l'innovation de ouf, quoi. Avec les bornes d'arcade, avec le Skull Buster, je sais pas comment ça s'appelle, tous les petits secrets, franchement, le Big Boss. Et quand tu finissais tous les secrets, tu pouvais directement avoir accéder au boss et tout faire des combats de boss uniquement. Franchement, ils sont trop gênés. Space Center, j'ai fait le secret, une galère. Ah ouais, ça c'est clair que c'est une galère. C'est une galère. Ouais, Transit, vraiment cool. C'est surtout la fin, tu vois. La fin de Space Center, avec les extraterrestres, là. Oh là là, c'était une tuerie. Ouais, Transit, vraiment cool, et Space Center, c'est pas mal. Ouais, Transit. Faut aimer, hein, mais au début j'en ai pas trop, mais après j'apprécie, puis après j'aime bien. Au début, putain, plusieurs zones, entre les zones, du brouillard, le bus, le loop de 2 secondes, c'est beau, c'est chaud. C'était pas très facile à jouer, on va dire. C'est cool, hein. Ah ouais, il devait être long sur ce stand, avec beaucoup de petits trucs à faire. Je fais le secret de la première map de WW2, le troisième Reach, je crois qu'elle s'appelle. Franchement, WW2 aussi était pas mal, franchement, il était pas mal. Très hardcore, très sanglant, très hardcore, franchement, très décalé, et je trouve ça très stylé. Mais il vaut pas un Black Ops 3. Par contre, Black Ops 4, WW2, je trouve que c'est qui bon. Black Ops 4, c'est déçu, donc voilà,
je trouve que batterie pas IW, pour moi, un Black Ops 7 va pas IW. J'ai passé beaucoup plus d'heures et beaucoup plus de plaisir à jouer à IW qu'à Black Ops 7. Peut-être que je me suis lassé, c'était plus. À la longue, tu vois, je me suis lassé, donc c'était ça qui a fait que je préfère IW, tu vois. Mais que j'aime un peu moins Black Ops 7, mais bon, je sais pas. Ils ont régressé comparé à Black Ops 3, donc c'est un souci. Après, je sais pas, c'est un bon jeu, hein, c'est un très bon jeu. Hein. Mais si je dois le passer, c'est ça que je veux dire. Alors, Shaolin Shuffle. Shaolin Shuffle. Oh là là, putain, ce tuto, mon gars. Avec le morse et tout. Oh là là, allez. Depuis, je me suis amélioré dans mes tutos, mais putain, comment j'ai galéré. Je crois que mon tuto dure 30 minutes. Je vais vous expliquer. Comment vous entendez pip, 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 pip. Tu vas l'expliquer vraiment bien et tout. C'était chaud, tu vois, c'était chaud. Shuffle Night. Dire ça là, vraiment. Ouais, ça va, ouais. Moins que Space, hein. Et plus réalisable. Je trouve Shaolin Shuffle. Mais il y a tellement d'historiques avec les spécialistes. Excusez-moi. Je dois couper ma cam. Hop. Les spécialistes. Le serpent, le dragon, le sorte d'oiseau, là. Et le team, je sais plus qui, mais profond, profond. C'est génial ce jeu. Redwood, c'est un peu ce qui m'a le moins apprécié, que j'ai moins apprécié, Redwood de IW. C'est celle que j'ai moins kiffé. DC1, je crois, si je me souviens bien. Ah, tu vois, celle-là, je connais pas, t'avais un katana à la fin. Katana à la fin. Ouais, avec. Ça me dit quelque chose de katana, mais ça date, hein, ça date. Un film de. De cul. Oh, parfois. Style MDR. Donc, maintenant, merci, Chagouille. MDR, mais attends, mais tu vas faire deux tours en pied, non, mais c'est pas impossible, impossible. En fait, il y a un monde, c'est le monde des Chinois. Tu vois, c'est chinois. Il y a des gorilles. Ce monde-là, si t'as pas 9 vies, 9 bombes, 9 éclairs, surtout pour le deuxième tour, c'est impossible. C'est quasi impossible. C'est la map la plus difficile de Dead Ops 2, tu vois. Arcade 2, tu vois. C'est vraiment impossible à faire, tu vois. Peut-être, avec de la chance, j'arriverai jusqu'à là, hein, peut-être. Mais jamais je la passerai. Parce que pour la passer, il faut au moins le faire 3 fois. Il faut au moins arriver à cet endroit-là, au deuxième tour, 3 fois, tu vois. Pour bien s'habituer, il faut bien trier, quoi. Je connais un pote, il l'a passé. Hein. Il était là sur la live, c'est mon mentor, c'est lui qui m'a appris. Il est 86ème mondial, mon gars, en solo. Il a joué pendant genre 36 heures, après la mort. Il m'a fait une pause, il m'a attendu une fois. Mon feu, wesh. Disparais, parce que t'as mis mon feu. Steven Zer, putain, attends. On raconte nos vies. Bah, au calme, enfin, bref. Ça fait plaisir, gros, parce que sinon, bah, je suis tout seul, quoi. Après, bah, j'enchaîne la manche. Ah, si, bien sûr, je peux faire une petite pause. Après, la pause, c'est pas totalement bénéfique, parce que ça m'enlève. Ça m'enlève le fil du truc, mais bon. C'est beaucoup plus agréable, tu vois. D'avoir des personnes qui parlent comme ça. Moi, je vous réponds, moi aussi, je raconte ma life, tu vois. Je raconte ce que j'aime, tout. Moi, je suis à fond avec vous, là. Moi, pour le secret des glitches, tiens. Je regarde tes vidéos, c'est vrai que les glitches, bah ouais, les secrets, et surtout les glitches aussi. Full vidéo là-dessus. Black Ops 4, ouais, pas aimé, avec la map où tu devais te transformer en bestiole. Tu parles de Blood of the Dead? Non. Black Ops 4 avec la map où tu te transformes en bestiole. En bestiole. Je ne sais plus, je crois que c'est Blood of the Dead, hein. Je ne sais plus. Je suis un petit peu pété, je vous avoue. Et il est tard, donc. Ma mémoire, elle me joue des tours. C'est pas BO3, c'est plutôt. Ouais, BO3, Shadow of Evil. Ouais, c'est ça, Shadow of Evil, tu te transformes en bête, ouais. Là, je l'ai kiffé ça là, c'est ma préférée de Black Ops 3. Je sais plus, j'en ai tellement fait de zombies MDR. Après, il y a la map des maps. Kino d'Artotema, c'est ma map des maps ça. BO1, c'est pour ça que j'aime bien BO1. C'est mon first. C'est à BO1 que j'ai commencé à. J'ai arrêté le multi, pourtant j'étais bon. J'étais vraiment bon parce que je faisais que du multi depuis beaucoup d'années. Puis j'ai rencontré des zombies et là, poker, j'ai fait que du zombie sur la chaîne multi. Sur Kino d'Artotema, j'ai des manches, mon pote. Même des petits glitches et tout, je passe à travers. Sur un petit glitch où tu devais réparer une porte, appuie sur Star, avancer et dire que tu passes à travers la porte et tout, c'est insane. Je crois que tu confonds avec Shadow of Evil, première map de BO3, c'est ça, Disclaim. Ouais, qui nous trop bien. J'en ai passé des heures, ça m'a sur cette map. Putain, pareil, j'ai fait 100 cette manche. Mais sans les strats qui a maintenant, parce que c'était au début de Shadow of Evil. Et je tournais. Putain, des heures, j'ai passé. J'ai fait 100 cette manche. Une down. Et puis après, je reçois une invitation vocale. Ah, j'étais tellement chaud, tu vois. J'étais en live, je me dis, allez, vas-y, j'ai toujours plaisir, je rejoins de live, on fait la vocale. C'est un Québécois, il parlait pas français. Je suis putain, fiché, hein, je rejoins une personne qui m'a mis en vocale. Il parle pas français, c'était dans mes débuts dans YouTube. Et je voulais expulser cette personne. Donc je clique sur son pseudo. Je fais XX. Boum, je rejoins sa partie, sans cette manche, je rejoins sa partie. Je fais putain de Québécois de merde, de merde, quoi, je suis dégoûté et tout. Et voilà, tu vois. Après, j'ai plus jamais refait le truc, tu vois. Ça m'a tellement saoulé, j'avais passé des heures pour faire cette manche. J'ai rejoint comme un abruti. J'ai rejoint une partie vocale déjà comme un abruti. Et en plus de ça, la plus expulsée, j'ai rejoint sa partie, donc ça m'a niqué la main. C'était il y a 3-4 ans, ça date. Vous avez déjà joué en mode survie sur MW3? Moi, j'ai trouvé mes survies. Ouais, j'avais essayé. Bon, je kiffe pas trop parce que j'étais en mode zombie déjà à ce moment-là, donc. Mais j'ai déjà joué. Hein. Ah, moi je connais la petite scène où il y a la boîte magique sur l'estrade, où il y a la turbine, tu vois. Ah ouais, tu parles de MW3 là. Peut-être pas. En fait, c'est la tourelle que je vois pas. La boîte magique, je vois. Kino. Ah oui, la tourelle, la boîte magique. Je connais la petite scène où il y a la boîte magique. Bah ouais, parce que sur Kino, il y en avait un qui tournait autour des écrans et il y en avait un qui tournait près des escaliers. Tu vois. Moi je tournais tout le temps près des escaliers, je faisais des bulles comme ça. Des 8, en bien français. Parce que les bâches 18, comme je le dis. Et vous prononcez le but. Bon. Ouais, c'était insane, une pire strat. Concentration. Je suis con, mais centré, donc on va faire concentration. Ouais. Je crois que j'ai mal, il me reste 3 vies, je crois. Je passe à la plus petite map du mode. 3 vies, 1 flash, 1 bombe, 2 bombes. Ouf, une vie.
Il y a moyen que je la fasse, hein, cette main. Par contre, il faut pas que je loupe la salle bonus parce que là, j'en ai vraiment besoin. T'as la mine là, dans le côté, c'est mon explosé parfait. Oh là là, mais c'est trop bien ça! Non mais j'appuie, je jure sur la main, j'appuie. Non. Là si je vois, j'aurais eu l'été de mort. Avec mon fusil, pistolet laser, oh là là, ça a été fait. Je peux récupérer un bon foie là. Enfin 6. Le meilleur ami. Tiens, mon zombie, c'est quoi? Le meilleur ami. Bon, désolé, les amis, je vais aller au dodo, moi, bonne fin de soirée et bonne nuit à tous. Ça marche, Valkaï. Bonne soirée à toi, merci d'être passé, ça fait super plaisir. Repose-toi bien, prends soin de toi et ciao. Peace. Bonne nuit. Tu apprécies toujours Fortnite, c'est cool. Ça va, j'apprécie toujours. Je suis pas grand épée, je suis plus grand épée, mais j'apprécie toujours et je joue toujours pour faire des défis, pour vous aider à faire des tutos. Les défis, voilà, je vous aide toujours à faire des petites vidéos. Tutos, défis, donc, voilà. Merci, Chaloui. Non, pourquoi? T'es en train de bouffer tous mes œufs. Voilà, je veux cette boule. Ah non, je veux pas prendre. Là, je suis en plein retour là, j'en besoin. T'imagines, j'ai dit ouais, vas-y, on va se refaire. Et je l'ai niqué, je vais se mettre en retour.
parfait, parfait, parfait. Ah, faut que je m'en passe. Pourquoi tant de peine avec ce mec? J'ai mis deux fois cette manche. Il me connaît pas quand même. Oh. 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 Merci mon petit robot. Il m'a sauvé la live. Il m'a sauvé la live. Je rabats sur moi. Voilà, je vais prendre le laser avant. Hashtag, bah ton record, t'inquiète, il est déjà battu là. Depuis 21h, tu es sur la même partie ou tu as recommencé? C'est la même partie. J'ai juste recommencé après 45 minutes de live parce que je suis tombé sur le joyau comme bonus et je voulais absolument la poule. Donc je m'étais trompé de pierre. Donc j'ai recommencé une partie après 45 minutes. Là ça fait 6h30 que je suis sur la partie. Wesh, Will Boy, ça vaut quoi? Oh magnifique, magnifique. Magnifique, là je vais pouvoir récupérer un peu la fois. Putain, c'est trop chaud. Bonne année à toi, bah Will Boy. Avant Max, poto, j'ai géré de ouf, poto. Merci, Jacques. C'est chaud, t'as vu, c'est super chaud, gros. C'est non-stop concentration, gros. C'est hardcore jusqu'à la mort. Pirou de jump, su. Fais comme on dit, il me reste 6 ou 7 fois. C'est hyper chaud. Moi, j'aurais tenu 20 ans, je crois, Max. C'est l'entraînement, poto. Quand tu kiffes, tu joues, toi. Et t'apprends. Là je suis en x2, tu vas voir en combien de fois je vais finir. Là je suis en x3. x4. Non. Ah, fais chier. Allez. Ah, c'est mon ventre. Tout sur le côté. Dépêche, dépêche, dépêche. Ah là là, j'ai foutu sur le côté, c'est pas bon ça. Bordel, c'est le bordel. Ah, les zombies dégagés. Faut tout rentrer, non, quand même pas. Allez, hein, s'il te plaît. Non, encore un petit dernier, s'il te plaît. Un petit dernier. Non, allez, voilà. Ah, presque. Allez, il est presque. Allez, pas monté. Je suis en passé ça. Je me doute bien que l'entraînement fait que tu es. Allez, jusqu'ici, exactement. Bon, en tout cas. Tu es grave fort, hein, sur ce mode masque, je suis fort aussi en zombie normal. Mais ce mode donne tellement plus. Faut que je fasse gaffe avec mon soleil parce que c'est pas toujours bon dans le truc. Allez, une carte. Faut 8, faut 9, faut que je fasse un maximum de points. C'est plus bon, j'ai plus rien. C'est vachement, hein. J'ai plus rien. Qu'est-ce que je fasse? Faut que je sois gentil avec moi qui me donne des bons trucs.
Allez, je passe. Putain, je suis déclin par derrière. Putain, 4 vies. Oh là là, c'est très chaud. C'est très chaud. J'ai pas vu la flèche. Je crois que c'est en bas, mais je suis pas sûr, je préfère vérifier. Ça devient super, super. Non, j'ai joué plein de Ghost Recon. J'ai arrêté. Je suis compliqué. Il reste 4 vies, je crois, même pas 3, je crois. Donc je vérifie la flèche. Hein. Pour moi c'est en bas mais je vois pas la flèche de gauche à cause de ma caméra donc. Donc c'est chaud. On va aller en bas, on va regarder. Proche de la manche 100 là, j'ai jamais vu ça, t'es trop fort. Vous allez voir, si vous restez jusqu'à la fin, vous allez voir à quel lien mondial je suis placé, tu vois. T'aimes bien MW, franchement les gars, c'est un bon jeu en multi. C'était peut-être pas la bonne. Vas-y, prends 9, hein, s'il te plaît. Pourquoi il prend pas? Pourquoi il prend pas? T'as pas conduit? T'as pas conduit? C'est du frais de gueule, hein. Il est frais de gueule. T'as pas conduit? T'as pas conduit? Mais non! C'est n'importe quoi. Il arrive à passer ce manche absolument. Oh oui, magnifique. Je pense que si je passe cette manche, je vais passer à un autre map parce que celle-là, franchement, elle est hardcore. Je sais pas c'est quoi l'autre map, mais j'espère qu'elle est plus relax pour que je puisse me faire. Si la prochaine map elle est plus relax, on va pouvoir continuer un petit peu. Mais il y a des deux côtés comme ça, c'est chaud. De droite gauche, c'est chaud. J'avais pas tout, tu vois. Moi je vais la passer, Obligé. Ah, je passe pas, hein. Mais ils sont sérieux, wesh. Ils m'encerclent, là. Je peux rien faire. Je peux rien faire, je peux rien faire. Je suis en PLS. Dis-moi que c'est la dernière, Oui, c'est la dernière. J'ai vomi sur la pensée, ma gueule! Trop fort! Je crois que la prochaine, ah, c'est le sang. Si c'est le sang, y'a moins que j'aime, le sang. Attends. Ah, ça c'est chaud.
C'est trop chaud. C'est beaucoup trop chaud. Ok, merci Shaggy. Et bien. T'es bien, j'ai répondu, tu crois que la prochaine, je crois que la prochaine, ok, t'as eu chaud, non, j'ai eu super chaud, il me reste deux vies, gros. Une vie qui est actuelle, et une deuxième vie en réserve. Là, si c'est la manche du sang, il y a moins que je me fasse. Mais il faut vraiment que je fasse attention parce que les zombies, ils ont la même couleur que le sang, ils sont rouges, et je pense qu'ils toignent. Il y a pas deux baffes, tu vois, je pense qu'ils toignent direct, donc dès qu'ils touchent, je meurs. Un zombie normal, mais deux baffes. Enfin, ça dépend si tu fonces dessus ou pas, mais. Si tu fonces dessus, il peut te mettre deux baffes direct dans, en un coup, quoi. Et sinon, il te met une baffe, une deuxième baffe, et couche. Et là, je pense que les zombies que je vais avoir, ils te mettent une baffe. C'est un peu comme dans WW2, c'est des zombies tout fins. Qui court super vite. Putain. Putain, exact, exact. T'avais raison, mon pote. Ah merde, y'a pas le raps. Y'a pas le raps. Putain, je savais pas ça. On m'a pas dit ça. Si je meurs là, c'est fini. C'est ma dernière vie. Il y avait un char. Ça, c'est à cause de du raps. Il y avait pas le raps sur la montée. Non. Mais j'ai fait de manche. Je vais vous montrer le classement. J'espère que je suis bien passé. Ah putain, je suis dégoûté. Non, je suis pas dégoûté, je vais tout me recouvrir, mon pote. Ah, GG, merci Sky. Oh, ça va, la prochaine fois, je comprends mieux. Il m'a fallu combien de temps là? 6h45 minutes, ouais, il y a moins que je refasse un live prochainement. 8h, 9h, bah, encore. Y'a rien, rien. Pour moi, que j'arrive à la salle de... chinoise, la salle chinoise. Si j'arrive à la salle chinoise et que je la passe pas, je pense que je le referai plus. On va d'où tu vois, on ne veut plus en seul. C'est chaud. Est-ce qu'on va mettre le temps et tout? Ah là là. Dommage, et GG pour ton record. Merci Shaggy, merci de photo, c'est plaisir. Mange 89. Faut que je fasse une photo que j'envoie à mon mentor. Bon allez, vas-y on recommence. Ouais, on est chaud, on recommence là. On recommence là. T'as envie de recommencer? Non mais vous êtes sérieux là. Regardez les zombies. Commencez. Allez, attrape-moi, allez, vas-y, attrape-moi. Ah, tiens, peut-être. Ah, t'as raté. Ah, allez. Oh, bien joué, gros. T'as vu la lenteur, frère. Je peux même rien faire en fait. Je peux les faire balader comme ça. Allez, non. Je viens de tourner autour d'eux. Tellement c'est simple. Psst. Regarde la vitesse que je passe la manche. Voilà, elle est finie. T'imagines, gros, moi je passe 10, 15, 20 minutes sur une manche. Première manche, même pas 30 secondes, même pas. C'est hallucinant. Hallucinant. On va quitter, imagine, t'es fou, quoi. Oula, je vais laisser les lunettes. C'est trop blanc. C'est beaucoup trop blanc. Ah, voilà, m'a décarcié. Bon, faut que je fasse une photo. Putain, trop chaud mon pote. Chaud. J'ai géré de ouf. Mais je suis mort à cause. Mais je suis mort à cause que dans la map du sang, il avait pas le raps. Ah, attends, il avait pas le raps. En haut de la pente, et quand je suis retombé, j'ai perdu une vie pour rien. Donc, il me restait ma dernière vie, et je suis mort à côté d'un char. Donc, il y avait moyen que je me rattrape si j'aurais pas perdu cette vie inutile. Moi, unitivement. Bah c'est ce que j'ai écrit pour que je me propose ça. Bah c'est là, j'ajoute un unitivement, voilà. C'est devenu unitivement. Il se dégoûtait. Alors, classement. Alors le classement mondial. Les zombies sont trop. Alors on débute carrément, bon. Alors bon. Pour voir mon plafond, mettez des likes, partagez un max parce que franchement, 6 heures de game, 6h45 de game, ça n'arrive pas. Manche en solo. Ok. 296ème mondial, mon pote. Attends, j'ai une photo. Trop chaud, patate. En tout cas, merci à toi. Car c'est grâce à toi que j'ai eu ce putain de niveau. En fait, c'est mon mentor, et lui,
Il a réussi à me donner confiance, tu vois. Parce qu'on a battu plusieurs fois le gorille ensemble. Et ça m'a donné de la confiance, donc je savais que j'en étais capable. Mais avant de le connaître, à chaque fois que j'arrivais au gorille, je perdais tous mes moyens. Et en fait, quand j'ai joué avec lui, j'ai remarqué que c'était pas énormément compliqué. C'est juste que faut pas stresser, faut bien essayer de tourner, mais ça prend un peu plus de temps et tout. Et là, j'ai réussi. 96 mondial. 96 mondial, mon pote. Ah, pardon, un score. Je suis 97ème mondial. Dans défaite de gorille, je l'ai tué 4 fois en solo. 4 fois en solo. Oh putain, je suis trop con, je crois que j'avais tué une fois en fait. Je crois que c'était ma deuxième, en fait c'est ma quatrième. Putain, il y a 3 ans, je l'ai battu 3 fois ou quoi. Mm-hmm. Dans les jambes, je suis 1220ème et dans les crânes, je suis 2317ème. Moi, je prends pas forcément les crânes. Putain, dis. Et attends. Oh my god! Ça, c'est Sitam, ça, c'est mon mentor. Et ça, c'est une personne que j'ai dans les amis. Rap les gens. Franchement, faudrait qu'on fasse un trio. Rap les gens, Sitam et moi, on fait des ravages, mon pote. Il est 160ème mondial. Et je pense qu'en duo, il est 86ème mondial. Il est 281ème, 23, 691ème. Ah oui, non, mais c'est vrai. Il l'a fait en local son solo. Parce qu'il a pas la connexion qui suit. Donc, il a fait. Là, logiquement, il devrait être 89ème. Donc, il devrait battre carrément rap, Sitam. Parce que lui, il l'a fait en local. Voilà. Putain, c'est trop bien. Je vais aller dodo maintenant. Mais ça fait tard. Bonne nuit. À la prochaine. J'espère te voir en live bientôt. On verra. Discord. Je suis motivé ou quoi. Nous verrons ça. Merci les mecs. Allez, pour toi. Merci d'être resté sur le live. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu jusqu'à la fin. Même jusqu'au gorille. Merci à tous ceux qui sont restés sur le live. Franchement, il y a eu pas mal de monde. J'ai pris un putain de malin plaisir à faire ce live. Je suis super satisfait parce que j'ai battu mon record. J'ai battu ce putain de gorille. J'ai réussi l'objectif numéro 1 qui était de battre sur ce putain de gorille. Et là, j'ai explosé mon record. Je suis 296ème mondial. Donc, je suis satisfait de ouf. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Et bonne année à tous. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous. C'était Swapcool mec. Et ciao. Peace. Ciao, les mecs. À la prochaine.